Parce que dans toutes circonstances, nous pas pour nous. Papa bon Dieu lui-même lui fait nous des promesses. Il dit nous pas jamais seuls. Il a toujours avec nous, dans bon temps comme dans mauvais temps. C'est ça que fait moi-même avec vous. Nous comptons sur promesses bon Dieu yo. Nous gain assurance que un jour nous va laisser terre là avec toute souffrance et tout péché. C'est ça fait que école sabbat matin, li di ou bienvenue, quel que soit nan endroit ou ye ya, quel que soit côté ou tande nous, nous di ou bien branché, ou bien chita, parce que ou branché ou chita dans l'école Jésus. Dans l'école Jésus, c'est seul côté qui pour bon chemin, qui pour montrer ou qui route pour passer, pour capable quitter ça, pour espérer joindre une vie côté que pas de souffrance, pas de maladie. Pas de l'autre côté encore qu'on capable joindre parole là, c'est seulement dans l'école Jésus. C'est raison ça, parole là dit nous, tout le monde qui a respiré doit louer l'Éternel. Moi-même avec vous, nous pas de aucune raison pour nous pas louer l'Éternel parce que nous encore vivants et nous a respiré encore. En nous mettant nous debout, la côté que vous avez prend position pour louer l'Éternel, puisque l'on parle encore, voir capable de sortir, ce n'est pas parce que vous êtes bon par son lot, ce n'est pas parce que vous êtes sanctifié, mais c'est seulement grâce que l'Éternel fait. Mettez-vous debout, nous allons louer l'Éternel ensemble, dans le numéro 22, qui dit au soleil sur la terre. Chantez avec toute force, ou quel que soit côté vous trouvez là, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bruyère et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit les méroudes et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui n'ont console qui veille sur nous à tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Gardons la même position et nous lisons ensemble le psaume 133. Lisons ensemble le psaume 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen, amen. En nous prenant position pour nous en prier, et c'est ce secrétaire nous, Sœur Gourège, qui va intercéder pour nous. En nous prenant position pour ça. Mon âme en silence se tient devant moi.
Papa, nous qui dans ciel là, nous infiniment reconnaissant envers vous-même. Dans l'amour infini, vous permettez nous traverser une semaine sous ta divine protection. Malgré tout ça, nous fait qui pas bon devant face, mais vous conservez en nous le souffle de vie. Nous disons merci. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde. Merci pour protéger, te protéger nous durant toute semaine. Nous avons gloire, ou même seul ou mérité. Quoi que tu aies fidèle ensemble avec nous, nous même nous pas suspendre péché. Nous péchons par parole et par action. Tout ça nous fait ces bagailles qui mal. Nous demandons pardon pour faute, pour iniquité. Nous venons dans le matin pour nous battre au gloire parce que vous même seul qui méritez. En 6 jours, vous avez fait ciel avec terre. Et 7e jour, vous avez reposé. Vous avez quitté exemple ça pour nous. Et pour nous tous qui connaissent ou ces créateurs, nous devons adorer en tant que créateur dans le jour béni et sanctifié. Bénis-nous et sanctifiez-nous tous. Bénis-nous tous qui là. Et ça pas vini côté yo, quel que soit côté yo hier avec yo. Béni malade yo, passe nan rang, guéri tout moun ki malade. Fais nous senti présence ou. Fais nous tout, fais nous seul, parce que si nous divisé, nous pas capable aller dans ciel. Pas gen place pour moun ki divisé. C'est moun ki uni ensemble capable wè face ou. Pardonne péché nous, guéri nous, sauve peuple à travers la terre entière. Prends soin de nous-mêmes. Reste programme dans nos mains. Dirigez-nous comme ça au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voulons rappeler au matin que c'est classe Ézéchiel qui a travaillé aujourd'hui. Chaque troisième sabbat, ou met espéré classe Ézéchiel, c'est nous qui l'a. Nous gagnons comme directrice sœur Alice Élisée et notre moniteur l'ancien Charité Julien. C'est lui même n'a gagné parce que c'est lui moniteur classe Ézéchiel. Comme nous pas gagné temps, nous voulons croire que tout le monde qui fait partie de classe Ézéchiel, yo connaît yo et n'a demandé pour yo capable porter attention. Étudier et comme ça, nous capables de poser question, même lorsque nous parlons de l'église à la côté que vous êtes, ou capables de faire question, vous venez, faire nous sentir que la classe là a travaillé. Avec nous, c'est moniteur nous, l'ancien charité, pour classe Ézéchiel, nous rappelons ça, classe Ézéchiel, nous avons près de 22 membres dans la classe là. Alors, nous souhaitons une bonne étude. Avec zèle à ton école, je viens, Seigneur Jésus, à moi, à t'aimer toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi. Frères et sœurs, chers amis, qui a écouté nous sur internet, la caillou, soit sur Facebook, sur YouTube ou bien sur ligne téléphone radio, bonjour et bon sabbat. Nous content pour nous ensemble pour nous capables réviser la leçon de l'école du sabbat pour jeudi samedi et 20 février 2021. Alors, n'a pas avancé dans le questionnaire que n'a étudié qui c'est Ésaïe et nous saluer tout membre classe Ézéchiel nou yo et Jean sœur Élisée Sodil qui gagne pas moins de 22 personnes là dedans et notamment rapidement m'ka cité yo rapidement c'est frère Blaise Baptiste et sœur Linda Donna sœur Nancy Exalus
c'est Maud Listin, c'est Marie Ami, c'est frère Thomas Lubin Robert, c'est Elena Charlot, c'est Marie A. Joseph, c'est Marie Maud Jean, c'est Rosemite Joseph, c'est Marie Lourdes Conning, c'est Marie Rose Joseph, frère Sauveur Charlot, c'est Roland Jean-Baptiste, frère Chancelier, frère Chance Odena, frère Angélico Fontaine, sœur Sony Baptiste, sœur Rose Alcide, frère Pierre Alcide, frère Osné Pierre, sœur Elzia Pierre, et puis frère Yvon Joseph. Ça, c'est mob classe Ezekiel. Mounsayo, y a pas espéré visite dans mes moniteurs, frère Charité Julien, directrice, sœur Élisée, et puis secrétaire, nous, qui c'est sœur Hélène Gourège. Ça veut dire que dans semaine yo et dans jour yo et l'autant des frères sœur Élisée relo li saluer ou li mande comment yé c'est visite classe Ezekiel. Autant des frères Charité relo c'est visite classe Ezekiel. C'est Hélène relo c'est visite classe Ezekiel. Ça veut dire c'est même si c'est pas moi relo n'importe qui moun nan nou relo c'est classe Ezekiel cap checker sou membre yo. D'accord, semaine passée nous t'ai étudier une leçon qui était vraiment intéressant, mais nous allons étudier l'autre encore qui plus intéressant semaine ça. Semaine passée c'était leçon 7 qu'elle disait avec défaite des Assyriens, côté que nous t'ai ouais l'Éternel te permettre que peuple a remporté la victoire, mais par contre peuple a testé sous sanction l'Éternel, parce que les que on nation t'a envahi Israël à l'époque, c'était l'Éternel qui t'a baillé sanction. C'est là où viré doyo bah l'Éternel yo pas et prêté attention, yo transgressé, yo a fait ça qui passe, et ben pour l'Éternel capable ramener yo à l'ordre, il toujours baillé on deux trois petits coups de frette. Et petit coup de fouet ça c'est toujours l'autre nation païenne qui envahit yo ou bien tout yo prend yo en captivité aller avec yo en esclavage. C'était ça était toujours yé. Et ou pral wè que dans leçon 8 là l'Éternel pral passer dans l'autre phase dans livre Ésaïe. Par exemple, sorti dans Ésaïe 1er, rivé dans Ésaïe 39, c'est le jugement de Dieu qui a prononcé contre le peuple de Juda. OK? C'est le jugement de Dieu. Côté bon Dieu a jugé yo, a ramené yo à l'ordre, côté grand pile et accident qui rivé yo en pile causé. Mais par contre, dans chapitre 40 qui concerne nous pour semaine ça nous qui se passer là, eh bien l'Éternel passe dans l'autre phase avec yo. Pour le dire yo Jean yoye, c'est pas comme ça, ça a toujours yé. Et l'Éternel pote un message de consolation qu'on y a. Message avant, de chapitre 1 à 39, c'est un message de jugement, un message de correction, un message qui a dit faut changer, un message qui a ramené à l'ordre. Et ça vient faire que tout, dans le message, ça a gagné des souffrances que le peuple a. T'es enduré la dernière de chapitre 1 à 39 là. Mais par contre, dans chapitre 40, que nous commençons à étudier, et deuxième partie livre là, commencé la semaine qui passe là, eh bien, c'est un message de consolation. Et c'est tellement vrai, son message de consolation que bon Dieu pote pour le peuple là, depuis le premier verset, dans chapitre 40 là, entendez, verset à Moïse a dit nous qui s'allier. Ou pas le dit dans le premier verset, consolez-vous mon peuple. Le regard dans le chapitre 40, verset 1er et 2, son message de consolation. Consolez-vous mon peuple. Et il y a un aspect pour nous comprendre dans la première considération ça dans la leçon semaine qui est passée. Hein? C'est que nous pouvons voir que ce n'est pas une consolation qui était l'éternel à Baïlia qui était tout. Entrer en fonction, mais c'est une consolation pour l'avenir. Mais pour qui ça y dit son consolation pour l'avenir? C'est parce que consolation annoncée même avant ça qu'elle passe à passer. Ma propre encore.
consolation annoncée, même avant ça qui va passer à passer. Et qui c'est qui va passer? Là, il a parlé de l'exil de Babylone. Peuple là qui est pour aller en exil, il a passé 70 ans en esclavage en Égypte, en Babylone, pardon, en Babylone. Et puis, l'Éternel qui t'a dit, même si nous, ouais, j'en bagaille au bras lié, moins que tant qu'on est, comment ça va le faire? Tendez, prends patience, consolez-nous, mes messages là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait qu'on va voir que dans Esaïe 40, verset 9 là, qui se verset à mémoriser, on va voir elle dit, montez sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici, ou encore votre Dieu est là, ou encore voici votre Dieu. L'Éternel Guétan prévoit comment ça va le finir. Pour qui ça? Parce que le déroulement des événements, le fil des activités qui est pour faire, c'est l'Éternel qui contrôle tout. Comme le peuple n'a pas voulu l'étendre, c'est normal qu'il prenne des coups de bâton. Et c'est l'esclavage de Babylone. Son esclave, c'est une correction annoncée, mais qui dit, qui, l'Éternel tout accompagne. Il vous dit, attention, ce n'est pas correction seulement qui a gagné, parce que l'or retourne, eh bien, mais m'a restauré. Ça, c'est le message de consolation. Et dans l'aspect ça, gardez-le, moi-même avec vous, nous étions à gémir dans la souffrance. Nous étions abjémis dans la perspective de mal qui devant nous, ou bien souffrance qui devant nous, et puis nous pas même ouais et promesse de restauration que l'Éternel bail là. Nous plutôt étions là-dedans. Et, ma bon exemple, introduction leçon. Tu as la guerre au Japon, ok, Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, bon soldat lui-même, qui m'ta dit al kache non jung, et puis pendant le jung là, y a des tracts kap tombe qui dit la guerre finie. La paix retourne, la guerre finie, tout le monde libre, ou tout le monde free. Mais qui ça dit lui-même? Il dit moi-même, en tant que bon soldat patriote, moi te juré devant général moi, moi pas prendre tête moi à l'ennemi. Il dit, je vais mourir dans la jungle, mais je ne vais pas prendre dans la pièce de la pour moi, je ne vais pas sortir. Et après une quantité d'années, soit 27 ans après, ça veut dire que pour moi, la paix finit de régner, tout le monde a une activité normale, et puis c'est un assassin dans la jungle. La manger mal, la kembe tant bien que mal, la kembe. Ça veut dire que c'est jour là pour compter qu'il est pour le mourir parce que quand il est privé, s'il bâche un petit oiseau pour le tirer, pour le boucaner, pour le manger, le grand goût à tout. Il est là, non, 27 ans après. Les autres de toi, mon a pêché, a fait chasse, et puis au contraire, monsieur. Je dis, monsieur, mais la guerre finit longtemps. Monsieur dit, non, moi, tu es où? Ça qui passe. Monsieur était dans la souffrance là, mais il n'a pas gardé le message de délivrance qui vient de joindre. Et pendant tout le monde fait 27 ans à bien jouer, mais c'est dans Dieu. Et c'est exactement ça. L'Éternel dit mes messages consolation. Parce que mes sacs pral passé, mais moi-même, comme c'est moi qui dirige, parce que vous prenez Esaïe 39, verset 6, si nous lisons verset ça, vous prenez l'Éternel dit ça même. Il dit peuple a pralé en esclavage. Elle dit c'est lui qui a fait ça. Mais par contre, dans verset 40, il dit, attention, oui, dis-le ça, consolez-vous, voici votre Dieu. Ça veut dire, le, c'est l'autre aspect, ça me veut montrer, le, c'est pour bailler peuple la sanction, c'est l'autre nation, yo, l'Éternel utilise. Suivez-moi bien là. Le pour bailler sanction, l'Éternel utilise l'autre nation. Yo. Mais le pour votre guérison, pour votre consolation, c'est l'Éternel en personne qui vient. Bon, moi, prenez ça vous. C'est très important. Parce qu'il va l'appliquer devant là dans les leçons, on va avancer. L'Éternel a pas de sanction,
li utilise l'autre nation. Mais là, c'est le message consolation, délivrance là, c'est l'Éternel même qui vini. Il dit, voici votre Dieu. Elle dit, c'est moi qui parle pour vous cap tout non en place. Et mais ça captain. Et dans même et optique ça, dans le son, oh, l'autre aspect, c'est que, ou pralwa que c'est des bagages qui sont capables d'appliquer dans le temps, littéralement, dans le temps Israël là, mais je dis à tout, nous sommes capables d'appliquer. Par exemple, bon aspect, préparer le chemin que vous avez dans le son. Dans l'époque Israël là, les gens disent préparer le chemin, ils disent, les on roi abin la kayou, li pa kap marcher non chemin gen trou. Li di, li di, li pa fan ken sens pou wa ap marcher pi pou la souke. Non. Depi wa annonse la vini, sa k passe, fallait que ou gen de préparation, ou prépare chemin, ou prépare retirer tout et boucher tout trou ka genyen, retirer roche puis là ou ap passer sou ta pou le passer dou, douce. Mais c'est même bagay là. Ça c'était littéral. Mais je dis à spirituellement, yo prend message ça, yo applique la qui ça à Jean-Baptiste qui t'a préparé le chemin de Christ pour être capable de venir remplir ministère sur la terre. Et dans préparation ça a toujours ou même qu'a préparé pour recevoir le roi, le Christ ou gon Jean pour vivre. Yo dit ça dans les enfants. Il dit go c'est des préparations spirituelles pour faire pour capable recevoir le roi. Ou pas capable de recevoir wa n'importe qui gens parce que les faut préparer chemin hein? Et faut retirer toute trouille dans route là pour wa capable rentrer mais quand si moi même moi kembe vim Jean lié ya m'pa fon ken place pour wa rentrer ou après devant porte là la frapper puis là ça pas ka rentrer c'est ça qui fait que aspect préparation dans leçon hein li très important et un autre aspect pour moi dans leçon parce que m'pral poser question tout à l'heure un autre aspect pour moi dans leçon c'est aspect un bon Dieu qui son bon Dieu de compassion un bon Dieu miséricordieux et yo dit que miséricorde bon Dieu yo comprend ni dans chapitre 40 là sous plusieurs thèmes par exemple bon montre un bagage dans là dans partie mercredi là. Li di miséricorde bon Dieu qui dans Ésaïe 40 verset 1 à 5 là, yo comprenne comme yon bon Dieu kap consoler moun. Consolation et c'est lui même qui vini délivrer peuple. Dans Ésaïe 40 verset 3 à 8, c'est la puissance de Dieu. Un bon Dieu de gloire et là, bon l'autre bagay pour me faire comprendre. Est-ce que nous songe que Moïse te dit bon Dieu qui ça? Fais-moi gloire. Et qui ça bon Dieu te dit? Si on moun wè gloire en face, ou pas ka vivre. Et pourtant, jodi ya, le son an di nou, n'ap ka wè gloire bon Dieu. C'est quoi la différence? Différence c'est que nan tan Moïse là, bon Dieu dit sou wè gloire ou pas capable kembe, mais nan tan ça pas oublier que c'est bon Dieu même kap de ki descend en personne qui vinn délivrer peuple. Par exemple, Jean, chapitre 1, verset 14, ce qui ça dit? Il dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et elle est pleine de gloire comme la gloire. Ça veut dire, avec la venue de Jésus sur la terre, c'est la gloire de Dieu qui vient joindre nous, vient pour une solution. Mais par contre, c'est au retour de Jésus, nous avons pleine gloire de bon Dieu. Puisque le Jésus a venu, c'est Jésus glorifié. Cap tourner, vient chercher petit. Là, il est venu première fois, il est venu un petit mouton, côté, il fait tout ça au lavel. Mais par contre, la gloire de Dieu a venu là. Et ça fait qu'on parle dans la leçon, il dit la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu et la permanence contre faiblesse humaine. La miséricorde de Dieu, dans Ésaïe 40, verset 9 à 11, c'est la bonne nouvelle de délivrance. Que bon Dieu porte pour nous, un peuple qui gagne un berger a venu en aide à lui-même. Et vous parlez que bon Dieu son créateur incomparable. Et en tant que créateur,
li bay puissance à tout moun ki pa gen force. Lò li nan Isaïe 40 verset 27 à 31. C'est juste pour nous dire qui ça, c'est juste pour nous montrer que bon Dieu ça n'a parlé, eh bien son bon Dieu qui miséricordieux et à travers sa miséricorde, il couvre tout ton as toutes les parce que tout aspect dans la vie chrétienne, dans la vie petite li yo. Et puis bon prend une plus gros problème. C'est une plus gros problème qui t'est gagné dans le temps du peuple de Dieu, dans le temps du peuple d'Israël. C'est l'idolâtrie. Il y a un plus gros problème que bon Dieu t'a toujours rencontré avec le peuple, ça c'est l'idolâtrie. Mais maman, qu'est-ce que ça? Ils font quantité de temps en Égypte. Le récit est, toute quantité de temps en Égypte là, c'est ça à voir devant eux. Il n'y a pas vraiment libre pour te dire qu'il n'y a pas d'adorer bon Dieu. Pas. Finalement, il fin presque intégré dans le système. Nan, et puis c'est ça, ouais. C'est faux Dieu, c'est idole, c'est adorer pied bois, c'est mettre à devant statue. Il ne finit pas encadré. Il a quitté l'Égypte. Bon Dieu commence à faire une sorte de thérapie pour lui, pour être capable de retourner back dans le normal. Il a passé la mer rouge. Là, il est arrivé dans mon Sinaï, Moïse faut quitter yo. Al parler à l'Éternel, ça qui passe, vos doigts à mes pieds. Et si, s'il vous plaît, dirigeant ou accompagné pour faire vos doigts à bas. Voici votre Dieu qui faut sortir en Égypte. Golden calf là. Vos doigts. Qui m'a dit, ara, on dit ça. Ça veut dire que c'est un plus gros problème que bon Dieu t'a rencontré avec le peuple d'Israël. Idolâtrie. Il était toujours à virer d'eau par l'Éternel pour tourner les yeux vers les dieux païens. Et il dit que, moi-même, là, je dis dans la leçon jeudi, idolâtrie détruit en relation intime unique avec Dieu, côté remplacé par l'autre bagaille. Et c'est ça qui fait que si on bagaille, bon Dieu, pas toléré. Dans la vie petite, c'est idolâtrie. Et quand ça va, quand je dis, ah, et moun sa yo te fait golden calf, moun sa yo te kon aller vers les dieux étrangers, yal nan Baal. Ben, je dis à nous-mêmes, nous pas nan ni golden calf, nous pas ni nan Baal. Nous, ça pas concerne nous. C'est pas vrai. Le son dit, mais si m'te wè fraza, m'ta dit exactement pour vous, m'pat marke fraza, mais bon m'dil, nan sens pas m'nan wap comprenne ni. Laissons-le dire clairement. Idole, c'est tout ça qui occupe l'esprit en premier devant bon Dieu. Vous comprenez? On l'a dit. Tout ce qui a plus d'importance que bon Dieu, c'est lié à l'idole. Ça veut dire qui ça? Je ne dois pas gagner un petit tonton dans la chambre là qui m'a été à genoux devant. Moi je dois pas gagner on image dans l'église là ou bien on chapelet m'a roulé. Je dois pas gagner mais par contre m'ai idole quand même. Ça qui empêchait que c'est bon Dieu qui gagne première place dans la vie m'nan. Ça veut dire que n'importe qui bagaille machine non mari ou madame ou on petite bon Dieu ba ou qu'on y a bon petite là et on m'a pas ça te leur dit petite là on est fini qu'on ou pas qu'on qui l'a prêché l'église ou pas qu'on qui l'a rien fait l'église ou garder les petites là son idole pour ça parce qu'elle capte toute attention ou pas qu'on rien de bon Dieu encore il dit c'est tant d'autant de il a parlé de bon Dieu ça pour nous kembe dans ça hein? Tout ça qui gagne plus importance dans la vie passé bon Dieu qui empêche au servir bon Dieu qui empêche au bail bon Dieu place qu'on doit balia qui empêche au faire travail que bon Dieu bon faire qui empêche au étudier parole bon Dieu qui empêche que ou rester dans principe yo et mais aurait l'idole pour qui parce qu'on fait le passé en vain bon Dieu c'est ça qui fait que dans leçon ça yo dit c'est une plus gros problème que bon Dieu te connaît et ça qui fait que prophètes yo notamment le prophète Esaïe, qui ça a fait? Il a fait référence à l'idolâtrie, il a l'adultère spirituel. Adultère spirituel, ça veut dire, ou bien bon Dieu, ou dit bon Dieu c'est bon Dieu, et pourtant, ou alors on l'autre bon Dieu. C'est même genre, ou bien madame, ou alors l'autre madame, ou bien madame, ou alors mais ou bien bon Dieu, ou alors l'autre bon Dieu, il a l'adultère spirituel. Maintenant,
dans même optique et logique ça moi-même avec vous nous supposer qu'on est qui boit nous camper parce que c'est pas que c'est d'ado c'est réflexion ça et ça pas réflexion commandement clair sous lui tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face c'est pas que c'est d'ado et son réflexion il pas réflexion et ben moi ben li ti note ça c'est me fini moi-même il dit que mais si une idole est conçue pour représenter le vrai Dieu, comme le veau d'or, le Seigneur rejette ce soi-disant portrait de lui, car nul ne sait comment le décrire. Ça, c'est le premier bagage. Ou il dit ça, c'est bon Dieu, mais ça, c'est bon Dieu. Parce que pas de monde qui a décrit bon Dieu. Ça, c'est le premier bagage. Là. Deuxième bagage, il dit rien ne peut représenter sa gloire et sa grandeur incomparable. Ainsi, une idole elle-même fonctionne comme un autre Dieu et l'adorer enfreint le premier et le deuxième commandement. Ça veut dire que c'est clair que moi-même avec vous, c'est une bagaille pour nous capables d'essayer pas quitter nous prendre dans piège ça. Pour nous pas qu'à quitter nous prendre dans piège idolâtrie. Ça que ou capable résumer pour leçon. Premièrement, bon Dieu, te gon message de jugement dans premier partie livre là. Pour le dire peuple là mais ça va arriver. Mais comment ça va aller pour qui ça? Parce que nous virer d'eau ban moi et m'a ramener nous. Et pour le ramener yo, c'est caler le caler. Caler il fait que l'autre nation envahit yo et il fait que dernier ça a prend comme coup de bâton, il va faire 70 ans en exil en Babylone. Mais même mon Dieu ça dans Ésaïe 40 là commencer dit peuple attention c'est pas ça seulement mais ça jugement ou qu'on elle déjà comme on pas veut corriger m'a ramener mais ça m'a fait qu'on y a et puis pour ton message de consolation pour peuple là à partir de Ésaïe 40 là et dans message de consolation ça nous voit que bon Dieu il travaille pour ça capable venir en réalité dans préparation chemin Jean que nous yo fait aspect m'ta capable dire adaptation à Jean-Baptiste qui t'a préparé chemin pour Jésus qui a vini et à partir de là ou vinn joindre la naissance de l'évangélisation côté que message là albay et une aspect peut-être qui t'est échappé m'doit mettre un accent sur lui pendant m'ta préparé les sur m'ta ouais ça c'est que l'importance des femmes dans naissance l'évangile là. Yo montre clairement dans partie madia gagné deux messages importants kalbay c'est fi kalbay yo message Isaïe 40 verset 9 à 11 là yo montre clairement son fi qui a délivré message ça dans verset à mémoriser là et deuxièmement les Jésus ressuscité son fi kalpoté l'évangile ça allait. C'est là où dit que c'est la naissance de l'évangile. Ça fait que gon côté où dit dans leçon ça, il parlait de Anne lui-même qui ton prophétesse et mais lui annoncer publiquement à peuple Jérusalem non et dans temple pour dire que mais bon Dieu cap venir. Alors c'est juste pour nous dire qui ça, c'est la naissance de l'évangélisation côté fille gain importance et puis nous voit que bon Dieu son bon Dieu qui miséricordieux. Et il prend soin de nous, il là pour protéger nous, il dit l'a retourner nous, Jean nous doyer pour qui ça parce que même n'a pour gloire à travers Jésus-Christ qui t'est venu. Et l'autre aspect que me dit qui est important, c'est que les pour prendre sanction Jésus bon Dieu utiliser l'autre nation. Mais la délivrance là venir c'est lui-même en personne qui peut délivrer cela pour. OK? Ça c'est l'autre aspect important. Ensuite, idolâtrie mes amis, pense que nous ca éviter ça. Idolâtrie pas veut dire seulement image là, mais il veut dire tout ça que ou bail plus importance dans la vie ou passer bon Dieu. Ça qu'empêche au servir bon Dieu, ça qu'empêche que c'est bon Dieu qui toujours passe en vent. Ça qu'empêche qu'on étudie parole, ça qu'empêche que ou participer dans activité spirituelle, ça qu'empêche qu'on vienne l'église là. Tout ça comme dado likembo et mais il vient paraître idole pour vous pour qui parce que li plus important pour vous passer bon Dieu tout ça qui passe avant bon Dieu il relèl idole et là ça ou non
idolâtrie, mais c'est pas idolâtrie Baala et pas idolâtrie Vodora seulement qui idolâtrie non, mais ça tout c'est li pour nous plus veiller parce que n'importe qui bagaille capable servir comme idole pour nous. 18 si gain question sous les sons, consolez-vous mon peuple, message de consolation que bon Dieu t'envoie pour peuple là. Ma prend question là, ma pas compte si on prend question sur téléphone là tout monde comment reprend mais c'est gain question n'a prend et si pas gain question tout nous va conclure. Est-ce que je n'ai pas de question dans l'église? Ok? Ok. Si je n'ai pas de question, c'est très important parce que c'est très intéressant. Mais je dis toujours ce soir, tout le monde comprend ou bien, je ne comprends rien du tout. C'est pas vrai? Ok. ça qui est intéressant, frères et sœurs, chers amis, dans le son, hein? Ça pour nous kembe, c'est que bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu qui est miséricordieux. Son bon Dieu qui a compassion. Son bon Dieu. Lui-même qui contrôlait tout aspect dans la vie. Même ça qui peut arriver dans la vie, là, bon Dieu contrôle. Et c'est ça qui fait que nous avons un message de consolation, hein? Son message de consolation pour l'avenir. Et, je vais finir avec l'histoire qui a commencé les gens. Pour moi-même, avec vous. On nous pas rete complet dans mal là ou bien rete complet dans souffrance là comme si nous seulement garder souffrance là pas garder souffrance là oui souffrance en son étape obligée ou passer là-dedans mais garder derrière souffrance et derrière souffrance c'est message de consolation ça que bon Dieu pote pour vous soldat li wè message là li ignorer message là ça qui passe il souffre plus il fait plus temps dans souffrance là parce que il dans jungle la mal mangé la mal dormi tandis que il dit la guerre finie il met sorti il dit non m'pa sorti parce que m'te dit m'pa sorti m'a prétend bon soldat patriote il pas prête attention à ça et puis il souffre plus mais moi même avec vous nous cap souffrir nous ca gagne circonstance nous ca gagne n'importe qui bagaille mais toujours songer bon Dieu pas nous hein dit un message de consolation pour nous. Et un message de consolation yo, c'est qu'il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Lorsque ça, quel que soit ça qui passe là, voyez jour sous ça. Et puis dit c'est pas là m'a prêté parce que consolation l'idée. Bon ça va tout le monde, merci beaucoup. Nous faisons transition dans laïque. Nous allons chanter nous pour nous capables passer dans ce causer sur ministère personnel, motivation. Laïque Modèle Olivier Maranatha. Nous chita toujours. À nous caper. On avance vite, bon Dieu, la fin arrivée. Il est pour nous qu'à préparer pour l'ancien. Dans les portes, la grâce pas le fermé, mon cap sauvé. C'est seul monde qui fait volonté, Père éternel. Adventissant, nous réveiller, à nous prêcher la vérité, à nous prêcher Christ crucifié. L'immortalité adventissant nous réveiller à nous prêcher la vérité à nous prêcher Christ crucifié et par nous l'immortalité. Merci, nous Chita. Alors, dans minute motivation laïque, là, nous allons faire quelques remarques. Nous allons commencer avec chant, même nous chanter.
L'elle dit adventiste en nous réveiller. Pourquoi ça va m'en réveiller? Qui m'en demande de réveiller? M'en cap dormi. Et yo, yo chanteur pas juste dit et les hommes réveillés, il identifier qui groupe moun li dit qui pour réveiller. Il dit adventiste en nous réveiller. Ça veut dire qui ça? Si me considérer tête moi comme adventiste du 7e jour, eh bien me dois souke, Et souke comme dans qui ça? Dans prêcher l'évangile. Aussi simple que ça. Et bon dieu. Jodi ya li paraît plus facile pour prêcher l'évangile, pour tout le monde impliqué dans prêcher l'évangile. Jodi ya. Pourquoi ça me dit ça? Avec circonstances atténuantes qui gagne jodi ya. Coronavirus côté moun pa la caille moun vraiment sinon que frère ou sœur. Gen moun même frère sœur ou pa aller. OK? Frère sœur maman papa sinon ou aller. Mais après ça les amis vraiment c'est amis qui ka kito débarquer la caille. Mais pourtant li plus facile jodi a pour faire visite, li plus facile jodi a pour prêcher l'évangile pour qui? Juste nos téléphones. Bon, numéro 1. Li plus facile ko pou un téléphone ou relon zami ou relon fami ou ko konnèt pa konn l'évangile. Ou pa relèl pou bal l'évangile la directement, mon relèl pou pran contact avèl. Comment yé? Comment maladie a fò? Et comment ap jere ça? Comment ti moun yo yé? Tout baga OK. Next appel la, même gens ah, n'tap checker sou. Et puis konsa gon bagay ki gon habitude, sa gwin pa sa après. Et pou tout rentrer dans l'évangile la avèl. Ça c'est premier bagage. Deuxièmement, l'autre qui gagne c'est que matin là dans l'église, et bien dans téléphone pour là, ou voyez lien ba zami pour le capable suivre avec vous. Troisièmement, il a fait étude souligne l'église là. Souligne téléphone là. Et bien yo qui t'a annoncé, on dit que nous dit premier sabbat mois de mars, n'a go étude biblique. À 3 heures. Nous dit ça dans réunion mercredi soir, nous dit ça dans réunion vendredi soir. Et puis samedi matin, nous fait annonce là encore. Maintenant, une semaine d'avance on connaît premier sabbat mars, a grand étude biblique à 3 heures. Ça fait. On invite les amis, on invite famille dans étude là. Mais là ça Dieu la mande au kibo, non il pas besoin d'aller de côté ou juste mettre le sous téléphone pour là. Il dit ah, m'après là à 3 heures et puis juste reler le connecter dans étude là. C'est ça. Ça veut dire que sous pas prêcher l'évangile qu'on a un gros problème. Ensuite, statut WhatsApp ou story ou non Facebook, page Facebook ou tout ça yo, gon verset clagé là-dedans. Gon phrase ou te li non Ellen G. White clagé, gay un conseil clagé, non pile monde moi qui a fait ça. Mais peut-être dit ah ou fait mon pas ou pas besoin qu'on qui est fait ou pas besoin qu'on résultat mais fait pour là pas oublier dernière fois m'était fait parler avec nous hein qui ça parabole du semeur à terre il dit semeur c'est pas à nous pour nous connaître c'est bon piquant c'est dans wash c'est dans bon terre dans mauvais terre c'est pas ça bagarre nous ça n'a fait n'a ce semeur et mais c'est même bagarre là mets ton message positif mets ton verset mets ton on prend doctrinal par on est ou juste mettel gon moun k'ap lire quand même gon moun ki après que n'importe temps k'ap poser une question quand même l'évangile là toi a prêcher et ensuite gen des études k'ap fait ou juste partager étude là avec moun sa yo comme ou même ou pas ka faire étude là ou bien tout c'est pas capacité pour son l'autre bagon mais ou juste prendre ou partager là moun dire ah étude ça intéressant oui et suivre étude ça ou partager lien avec les grand pile étude bon étude ça vient faire que message là y a connait m'a fini pour me faire l'autre remarque maintenant qui plus ou moins pas dit négatif mais il y a un aspect négatif malheureusement malgré toute chance ça nous gagne comme adventiste du 7e jour m'a parlé de l'œuvre là en général moi pas senti nous fait différence là vrai dans tout programme n'a gardé sur internet. Ben moi prendre. Moins pas ouais différence l'en vrai dans tout programme qui gagne sur internet yo. M'pa ouais une étude systématique
qui présentait, n'est capable de dire, la doctrine adventiste. Nous, je suis des gens qui font un programme normal. Louange. T'as goûté tout le monde. Mais, ok, côté différent. Malheureusement, moi, je ne suis pas well, parce que je suis un paquet. C'est un moment pour nous taper spécifique dans prêcher, Pour nous prêcher la Bible, mais pour nous prêcher clairement le message des derniers temps. Comme si très, très clairement. Mais, je ne suis pas well, ça vrai. C'est ça qui fait, nous devons faire une différence pour nous capables de dire clairement mes messages là. Pour ne pas quitter trop gros ressemblance qui peut faire que tout le monde noyé dans fait l'évangile. Et ça fait qu'on a tout le monde font plateforme, tout le monde yo live, tout le monde a dit on bagaille, mais c'est pas la même pas ton mais t'as qu'on a nous-mêmes adventistes du 7e jour. Faut nous faire on l'autre gens, faut nous louer on l'autre gens, faut nous enseigner on l'autre gens et faut nous bailler on l'autre message qui c'est message trois anges là Jean lié. Et c'est nous pour faire ça que fait chanter a dit adventiste en nous réveiller. Pour qui? Parce que c'est nous seuls qui cabaille message trois anges là Jean doit bailler là. Ça fait matin hein? Conseil la simple c'est ni moins ni où en nous utiliser tout moyen qui nous mène nous pour nous faire message là passer pour nous aider au monde connait message là. Et mon ami même après à bon Dieu la prend décision pour le prendre mais nous-mêmes toutes amis nous gain bon côté nous faut nous faire connaître qui ça message là et qui ça qui résumé à ça que très bientôt Jésus a tourné et la prend tout le monde qui te fait volonté le veut dire tout le monde qui respecter ses principes ses commandements on nous fait job ça et comme ça nous va voir que message a prêché Jésus a tourné et chaque monde qui est fidèle, il y a bien la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Baissez tête nous, on a prié. Notre Père, notre Dieu, merci de ce qu'on rappelle nous. Nous avons dormi, nous devons réveiller nous. Et non seulement ça, je veux dire, on a toute plateforme, tout réseau, yo, facile, facile pour nous faire message ou à passer. Aidez-nous pour nous prendre décision, pour nous poster tout ça qui est positif. Et surtout pour nous poster tout message, la vérité. Et chaque monde va lire, y attendre. Et nous-mêmes, y a décidé que ça y a fait, mais nous-mêmes, permettre que nous prenions décision pour nous faire partie, pas nous, hein, qui c'est prêcher, qui c'est semer l'évangile. Succès, ce n'est pas nous qui baillons. Résultat, ce n'est pas nous qui baillons. Mais le résultat dépend de nous-mêmes. Cet esprit qui va travailler avec moun sa yo, qui tende, qui lit message sa yo. Béni nous, béni reste programme nan pour nous, béni reste journée sabbat pour nous. Au nom de Jésus qui vit et qui demeure, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Et nous venons avec pour nous des annonces, des informations qui concernent nous. Donc, nous demandons pour nous qu'à prêter prêter attention à différentes annonces que nous avons pour nous. D'abord, une annonce que nous n'avons pas oublié. Il s'agit de un congrès laïque. Congrès laïque. Franco-Haitien. Ça, il va fête du 26 au 28 février 2021. Donc, on va gagner un congrès laïque. Moi, pas de temps baili à. Après Jonathan pour être capable de poster pour nous. Donc, regardez-moi si je suis capable de voir le baili pour le côté commun là. Parce que l'important pour que l'Église. Il a participé dans
programme ça, computer à trop loin, il va capable privé. Donc, donc un congrès laïque qui va faire, comme on dit, du 26 au 28 février, qui veut dire semaine prochaine, si Dieu veut. Donc, ça, les concerner toute laïque. Dans le temps normal, nous avons allé à Victory Lake. Mais le fait que il y ait une question de social distancing, donc, il n'est pas possible, nous ne sommes pas capables de réunir un groupe. Donc, ça fait qu'il y a aller online. Et ça, il y a Jonathan, si vous êtes capable, if you can, please, you can project it for us on the screen. I send the picture to you. That way, you can just post it on the screen so that everybody can see it. So, tout le monde qui t'a voulu participer, ça c'est pour toute laïque. Ça c'est une sorte de formation. Et maintenant, c'est nous tous qui sommes capables de bénéficier de lui. Donc, tout le monde qui t'a voulu participer, il y a un link là-dedans. OK? Nous avons Zoom. Il y a Zoom. Et puis, il y a un link. Dans Zoom, le meeting ID, c'est 973-88-13-17-37. 973-88-13-77-36. Et passcode là, c'est 72-15-88. Ça, c'est vendredi, si Dieu veut, à partir de 7h30 qu'il a commencé. Et il a continué samedi à partir de 9h du matin. Et il y a samedi après-midi tôt. Dans la deuxième partie, hein, à 3h, et puis il a fini dimanche matin à 9h du matin. OK, c'est là sur l'écran. Donc, nous avons toute information. Donc, toute laïque, Mont des Oliviers, capable de participer la dernière. Toute laïque, Mont des Oliviers, capable de participer la dernière. Parce que c'est un programme qui intéresse nous tous. Et nous avons remarqué que chaque meeting, yo gagnent yon meeting ID différent. OK, chaque meeting yo gagnent yo différent, yo gagnent meeting ID différent, yo gagnent passcode différent. N'a noté ça pour nous. Et si donc nous t'a intéressé, nous avoyé li sur plateforme WhatsApp l'église la church members ou bien en Mont des Oliviers SIA. Et n'a dit encore que si donc ou c'est membre l'église là, nous t'a souhaité gagner dans plateforme là avec nous parce que lorsque nous voyons annonce les comme ça, ka atteindre tout le monde. Et n'a pas de tout, puisque li open, n'a pas de que pour ne pas poster n'importe qui bagaille sur plateforme Mont des Oliviers ou bien sur Church Member, de façon que les gens qui n'ont pas espace dans le téléphone, ils n'ont pas plein vite. Donc, ce sont des informations, nous espérons que nous pouvons prêter attention à eux-mêmes. Et l'autre annonce que nous avons pour nous encore, avant que nous allions plus loin, il s'agit de Pathfinders, de Club là, yo même, yo opening day yo, c'est semaine prochaine si Dieu veut. C'est sabbat si Dieu veut. Donc, jusqu'à présent, directeur a dit que li pas comprendre rien parce que li pour rejoindre registration yo. Registration membre Club là. Parents yo, c'est nous qui pour voyer registration yo by directeur ya. Parce que Club là, l'a ouvri, réouvri officiellement, ça va si Dieu veut, et il faut que nous fassions le nécessaire pour capable permettre que le club là les fonctionne normalement. Pas oublier ça, Pathfinder, réouverture du club là, c'est ça va si Dieu veut, parents, yo, jeudi, ya, jouen avec Timoun Noyo pour que nous capables remplir la registration non, ou bien relé frère Holdens pour capable parler avec lui pour nous voir comment que nous capables aider lui dans ça. Et maintenant, pour nous retourner dans l'annonce de l'église là, c'est que nous connaissons que à faire toute semaine nous avons prié. Nous avons prié surtout pour cette question de mortgage. Nous avons continué à prier dans ce sens-là, dans nos dévotions personnelles, pour que le Seigneur soit capable d'intervenir et pour aider son peuple, à faire face à tout défi que les gagnants ont. Nous avons une étude sous l'esprit de prophétie. Ça continue normalement chaque dimanche, chaque mercredi et vendredi soir. Mais vendredi soir, 7h30, à cause du congrès laïque, là, je ne connais pas comment ça va lier. Donc, nous avons encouragé tout le monde à monter sur le congrès laïque, là, pour capable joindre instruction,
formation pour nous capables de prêcher l'évangile là. Comme nous connaissons, chaque mardi matin, nous toujours prier ensemble de 9h à midi, eh bien, fait fort pour que vous capables de participer avec nous. Et pas oublier, prier tout pour malades dans l'église là. Il y a un peu de monde qui n'est pas porté au bien, qui est malade, qui n'est pas capable de venir à l'église, bien que qui était capable là, mais cependant, nous avons continué à prier pour eux pour que le Seigneur soit capable de venir à leur secours et même délivrer et guérir. Pour le département ministère des enfants, nous connaissons que chaque vendredi de 6h à 7h, nous avons un Zoom meeting avec tout Timounio. Donc, à cause Timounio pas qu'à réunir, nous avons compris ça. Donc, ils ont utilisé la plateforme Zoom pour capable gagner une classe enfantine avec Timounio. Chaque vendredi soir, de 6h à 7h. Et ça qui pour rendre ça possible, c'est encore nos mêmes parents qui pour collaborer, coopérer pour que nous soyons capables de monter sur Zoom. ID réunion Zoom, c'est 717-853-6967. Ça, il n'y a pas besoin de password. Depuis qu'on rentre sur lui, à 6h du soir, on entre dans la réunion classe enfantine. Et au même qui gagne Timoun Lakayou, on a intérêt à faire ça pour que Timoun ka preste connecté à l'église et connecté avec la parole de Dieu. Et toute équipe précise, non, eh bien, comme nous avons toujours fait ça, nous avons réuni vendredi. Chaque vendredi, nous réunis à 6h. Et nous encourageons non, tout le monde qui t'a voulu aider non, dans l'orange là. Et ou ka chante, ou kon chante, nap mando pour que ou capable aider nous dans sens ça, pour que nous capable mettre une équipe précise qui solide dans l'église là. Et nap ton connaît que coronavirus li en baisse, c'est vrai, mais cependant, li toujours deadly, li toujours mortel. Par conséquent, nap continue, fait ça qui dépend de nous, pour que nous respecter social distancing, pour nous respecter protocole, de pour nous laver main, pour nous mettre masque lorsque nous l'église là, eh bien nous mettons masque, mais lorsque vous montez sous chair ou à faux bagage sous chair, vous êtes capable de retirer pour faire, mais cependant, masque, port de masque, eh bien, est obligatoire pour protection par et pour protection l'autre monde qui en l'église là. Ministère de la prière, mon des Olivier, comme nous connaissons, chaque semaine, vous priez pour une famille. Chaque semaine, vous priez pour une famille. Et famille que y a prié semaine ça, eh bien, ses familles, ses sœurs, Erland Gourège avec famille, ok? Et n'a prié tout pour frère Charité Julien avec famille, et n'a prié pour sœur Florence Turenne avec famille. Donc ça, si donc, ministère a fait annonce là, c'est que ou même, ou capable de joindre avec yo pour prier pour moun sa yo. Et lorsque nous toutes nous la prière, ça lui fait la différence, frères et sœurs. Pas oublier que nous avons prié semaine ça pour Erland Gourège avec famille, frère Charité Julien avec famille et sœur Florence Turenne avec toute famille. Dans le ministère de la prière, je remercie tout le monde qui était joint avec lui hier soir pour nous être capable de gagner demi-veillée de prière, bien que c'était pour lui, mais nous avons ouvert à l'église pour que nous soyons capables de prier dans le sens de problème mortgage que nous gagnons. Mais cependant, il est programmé pour le 19 mars, vendredi 19 mars, eh bien, il est programmé une demi-veillée de prière pour toute l'église là. Ça, c'est pour l'église là, même que l'y est. Donc, ça fait, le ministère de la prière a demandé depuis Kounia, mettez dans le calendrier, non, 19 mars, à partir de 6h, nous avons gagné demi-veillée de prière et l'a fini à 11h du soir. Coucher soleil pour aujourd'hui, hein. Eh bien, c'est à 5h34. Et vendredi, si Dieu veut, eh bien, coucher soleil là, c'est à 5h41. À Soya, c'est 5h34. Et vendredi, si Dieu veut, 5h41. Et finalement, nous avons dit, comme nous avons toujours fait, nous avons appelé le numéro de téléphone. Non, si au cas que nous avons un problème, ok, eh bien, nous sommes capables de prêler, excepté pour problème l'argent, comme nous toujours disons ça tout. Donc, un problème depuis que nous avons appris les. Pasteur Mas, c'est 508-468-7157. 508-468-7157. Et pour le premier ancien, 203-247-99-94. Et pour le secrétaire-là, c'est 203-434-46-77.
Donc, c'est là toute annonce que nous avons gagné pour nous. Nous souhaitons que nous soyons capables de prêter attention à eux et que nous participions dans différentes réunions que nous gagnons pour toute bagaille qu'on va faire selon la volonté de Dieu. Et maintenant, nous avons enchaîné avec construction. Construction, nous connaissons que nous avons besoin d'aide. Si nous gardons la cour de l'église là, nous avons gardé la lima loup net. C'est avec neige qui tombait, sous-tombée. Donc, non, ouais, que bah, on vient aggraver parce que tant que neige l'a tombé, eh bien, il a affecté un sol là. Déjà, nous n'avons pas bon asphalte dehors. Donc, ça fait que l'affaire de réparation parking, nan, les vignes ont nécessité. Et voilà que on vient gagner un mortgage en gros sous lit. Donc, il veut dire, mes frères, nous comprenons que nous avons besoin de votre aide pendant que nous avons fait plan pour que nous puissions passer en sorte de fundraising qui va permettre que nous avancions avec différents projets. Nous n'avons pas de deux mondes passés pour nous. Ça que nous gagnons, on va la dire par bagay piti, bachiche, ok? Donc, ça que nous gagnons, eh bien, nous avons déposé li, et ça, il pourra permettre que nous avancions avec le projet. Sa yo. Donc, si vous la caillou, vous êtes capable de participer tout, all right? Donc, le faux la caillou, vous êtes capable de participer, vous pouvez aller dans Adventist Giving, c'est ça? Nous avons regardé li sous écran, sous la caillou, sous dans YouTube, ou bien Facebook, ou après exactement adresse, ou après adresse, comment on est capable de faire ça, pour capable participer, pour capable mailer, pour capable poster, et comme ça, on est capable déposer tout, ça que on est capable bailler pour faire de réparation en parking. Et nous remercier en pile monde en ligne qui sont censés aider nous, d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous mettez offrande, vous mettez offrande, même pour une série de départements, que yo même non ça c'est pas gain mais quand même le fait que yo mettez au fond là nous obligé mettre li pour section que yo bail li a n'a parlé de monde qui pas même bon des oliviers mais quand même côté yo a yo aider nous yo participer avec nous et yo bail offrande yo bail dîme et n'a toujours encourager moun sa yo pour porter coller avec nous pour capable permettre que travail là li avancer dans ce coin de terre où Dieu nous a placé. Donc, nous sommes contents de ce que nous participons avec nous. Nous demandons encore à nous continuer à avancer, surtout avec la réparation en parking. Nous avons chanté, bâtissons le temple du Seigneur, et pendant que nous avons passé, ramassé, ça que nous gagnons. Et si nous faisons online, songez, mettez en partie pour construction ou bien pour parking. Bâtissons le temple, bâtissons le temple du Seigneur. Sœurs, venez nous aider, bâtissons le temple du Seigneur. Bâtissons le temple. Bénissons pour tes compassions envers ton peuple, pour ton assistance et surtout pour avoir permis à tes enfants de pouvoir apporter quelque chose pour la réparation, les réparations de ton sanctuaire, de ton temple. Nous te supplions de multiplier ces cotisations de manière que nous puissions avoir tout l'argent dont nous avons besoin pour défrayer toutes les dépenses et de manière que ton nom soit glorifié. Exauce-nous, Dieu des cieux, prends pitié de nous et bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ qui veut demeurer au siècle des siècles. Amen. N'a pas dit, j'ai frère Blaise là et tout le temps chantier qui a aidé nous à chanter pour que nous ne puissions pas passer dans la transition. Nous nous préparons pour le culte d'adoration et chaque monde qui dégombaille quelconque affaire dans le culte, n'a pas dit, joignez-nous tout de suite dans la sacristie. De manière que nous capables pas monter depuis que vous avez un bagage pour faire quelconque n'a pas de pas tant de venir chercher vous rencontrez nous rapide dans le sacristie pendant que nous chantons quelques chants à la gloire de Dieu. Je vous laisse.
Pasteur Bonjour. Nous avons chanté Jean. Frère Salam déjà dit pour nous préparer monter en chair. Nous avons chanté 520, le nom de Jésus. Et si nous avons chanté l'enchant, j'ai aucun chanté. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu de Saint-Moi, le Coro. Il nous appelle au rendez-vous, et si le nom de Jésus, Jésus,
Oh,
Nous attendons ensemble au numéro 163, silence, silence. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Louez l'Éternel. Amen. N'a pas récité notre l'affirmation de notre foi, Exode 20, verset 3 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Down.
Éternel, notre Créateur, pourvoyeur et rédempteur, ton peuple, en présentiel et à travers les réseaux sociaux, est en ta présence en vue de t'offrir ce culte d'adoration qui est dû à toi et à toi seul. Daigne nous pardonner de tous nos péchés. Remplis-nous par ton bon Esprit Saint et agrée ce culte que nous t'offrons, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La quintessence de notre observation du sabbat est l'adoration. En ce jour, nous proclamons joyeusement avec toutes les armées célestes, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Oui. Nous avons été créés par un Dieu d'amour. Chaque sabbat, nous le remercions pour le don de la vie, en l'adorant, lui, notre Créateur. Sœurs et frères, amis visiteurs, sur ces mots, le corps pastoral de l'Église Adventiste du Septième Jour, Mont des Oliviers, utilise ma voix pour vous souhaiter la bienvenue et bonne participation au culte de ce midi. Bonne adoration. Vous allez vous lever pour entonner les beaux vers trouvés au numéro 56. Oh, que ne pouvons-nous apprendre un des sublimes chants des cieux. Pour ta présence.
D'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 61 verset 1er. Je lirai pour vous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance par le Seigneur. Amen. And for our English version, Isaiah 61 verse 1, and it reads, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor." He has sent me to heal the brokenhearted, to
proclaim the liberty to the captive and to open to the opening of the prison to those who are bound. This is the word of God. L'action de grâce, à toi l'adoration au siècle des siècles. Oui, tu es digne de recevoir la louange car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté que tout subsiste et que tout a été créé. C'est notre chant maintenant et ce sera notre chant pendant l'éternité. Lorsque, réunis sur la mer de verre, nous élèverons nos voix vers toi pour chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Nous savons que le moment viendra où notre Sauveur Jésus, il reviendra et pour nous prendre avec lui. Et alors, ce ne sera plus par la foi, nos yeux te verront, car nous te verrons tel que tu es. Et nous serons changés, nous serons transformés par ta grande miséricorde et par ta toute puissance. Mais maintenant, nous devons encore continuer notre pèlerinage dans cette vallée de larmes, dans cette vallée de douleur. Nous te supplions, notre Dieu, d'avoir pitié de nous alors que nous sommes venus t'adorer. Nous voulons te supplier de nous pardonner nos erreurs et nos manquements tout au cours de la semaine. Car nous savons que nous avons péché, nous avons transgressé tes commandements et ta loi. Nous te supplions de ne pas entrer en jugement avec tes serviteurs, mais de nous accorder ta grâce, ton pardon, ton secours, ton salut, ta délivrance, de nous accorder la vie éternelle. Veuille nous accorder la grâce d'être fidèles à toi, de vivre cette vie de disciple, cette vie d'apôtre, cette vie de sauvé, savoir que à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, Jésus peut faire son apparition. Et il doit nous retrouver prêts pour l'acclamer sur les lieux des cieux. Nous te supplions d'être avec chacun de tes enfants, ici à l'église et aussi à la maison, partout où ils puissent se trouver, que ta grâce les accompagne, que le bonheur soit avec eux et que toi-même, tu fasses lever sur eux la lumière de ta face, de manière que tes enfants soient réconfortés pour la route, pour continuer la lutte et pour remporter la victoire à la gloire de ton Saint-Nom.
Au cours de la semaine, tu as fait beaucoup de bien à tes enfants. Tu as fait des miracles pour chacun de nous, pour que nous puissions être encore vivants aujourd'hui, car le diable a cherché à nous terroriser, à nous détruire. Mais toi, tu étais là comme un refuge et un appui pour chacun de nous, un secours qui n'a jamais manqué, qui n'a jamais fait défaut. Et aujourd'hui, nous sommes là bien vivants devant toi. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits envers nous. Nous savons que beaucoup de gens sont morts au cours de la semaine. Et seulement pour cette pandémie, plus de 30 000 morts au cours de la semaine seulement. Mais pourtant, chacun de nous, nous sommes bien vivants, sains et saufs, chantant et louant la gloire de notre Dieu. Nous te supplions d'accepter nos tributs de louange et de reconnaissance pour tous tes bienfaits envers chacun de nous. Mais maintenant, nous te supplions de passer dans nos maisons, de passer dans l'église, pour soulager, pour secourir, pour réconforter tous ceux-là qui sont troublés, qui ont des difficultés, qui traversent des moments difficiles dans leur vie, pour leur donner de tourner les regards vers toi, puisque Jésus nous invite encore à venir à lui, selon qu'il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'a pas de papa, non, pour descendre grâce sous chaque petit tuyau. Donc, on est papa, si donc ou pas parler pour nous, si ou pas camper pour nous, afin nous pas bien régler. Mais lorsque ou camper pour nous, lorsque ou parler pour nous, nous pas gagner rien pour nous craindre, puisque tu seras avec nous et la délivrance nous est déjà assurée, la victoire nous est assurée si tu es avec nous. C'est-à-dire que nous avons demandé, aidez-nous toujours à mettre confiance dans nous-mêmes, dans toutes circonstances favorables ou non, pour nous connaître que notre Dieu, il est là. Et c'est lui qui te promet donc qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, ton enfant, frère Patrick Calestin, il va prendre la parole en ton nom. Et frère Sanders Gilles aussi va prendre la parole en ton nom. Mais au nom de Jésus-Christ, nous te supplions de les dépouiller de toute souillure, de la chair et de l'esprit, de leur pardonner leurs péchés et leurs fautes et de permettre que ton Esprit Saint puisse se servir d'eux pour l'accomplissement de ta volonté en ce Saint-Jour, pour que ton peuple soit béni par un message d'encouragement, un message de réconfort, pour que nous puissions être animés, ranimés, pour continuer la route jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que beaucoup des nôtres sont malades, ils sont retenus à la maison, et nous savons que, Père, si tu ne dis un mot pour eux, certainement leur situation va en s'empirant. Nous te supplions de venir en aide à tous nos malades. Nous te supplions d'étendre ta main de délivrance sur chacun d'eux pour leur accorder la guérison, pour leur accorder de se reprendre. Et si ce n'est pas ta volonté, pour leur donner la force de continuer la lutte malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la maladie, de se mettre leur confiance en toi, sachant que toi, Seigneur, tu es capable de les délivrer selon ta grande miséricorde. Veuille accepter nos cris et nos prières, veuille bénir ton peuple, veuille sauver ton héritage. Nous comptons sur toi. Bénis tout le district, bénis tous tes enfants à travers la terre entière, alors que tout s'achemine vers la fin de ce monde. Veuille donc nous donner nous-mêmes de placer notre confiance entièrement en toi, puisque notre délivrance vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Accepte nos cris. Bénis-nous et sauve ton héritage. Nous t'adressons ces requêtes par l'entremise de Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. More.
service de fidélité. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Pour ramasser dîmes et offrandes, nous avons dit que nous ne pas faire ça là. Mais comme nous déjà connaissons trois façons pour nous remettre dîmes nous dans l'église là, mon qui dans l'église là, et nous gagnons ligne internet pour nous capables faire ça, et nous gagnons boîte postale l'église là que nous capables déposer, et ces façons ça on va choisir ça plus favorable pour nous maintenant pour que nous capables faire ça. Et pour nous faciliter par Jacques, nous allons chanter le chant approprié avec Frère Blaise Baptiste. Que prier au fond
prière. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, Seigneur. Permettre que dans la vie, nous, tout ça que nous possédons, nous capable de garder à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls, parce que c'est nous-mêmes qui bannons. Permettre que service ça, chaque ça que nous gagnons, que nous mettons en premier là-dedans. Merci du fait que tu mettes que nous dans le travail au cours de semaine, pour te garder, nous, te protéger, nous. Et bien, nous venons avec dîmes, nous, avec offrande, nous. Nous venons remettre ça que tu bannes, nous, Seigneur. Permettre que nous capables de prendre offrande que nous d'abord, que nous sommes capables tout entier à nous-mêmes, et que nous sommes capables de régner dans le cœur, nous. Et que tout ça que nous possédons, et que nous avons dirigé, et qu'on a arrêté, attaché à nous-mêmes, et que nous avons loué, on a tout ça que nous gagnons. Tandis que cœur nous pardonne les péchés, nous. Nous ne gagnons rien à nous qui est bon. Mais nous réclamons toute grâce à nous, nous visite tout Jésus, lui-même qui a visé Viconia et pour l'éternité. Amen. And now it is the time for our children, the children corner, whether they are at home or here in the church. But today it will be something really different. Instead of having somebody here standing in front of you, to tell you a story in the Bible, we're gonna focus on the screen. We're gonna look at the screen because we'll watch a video about Nicodemus. Jonathan, can you turn it on, please? We ask all the children to pay attention to the story, a story that will be told on the screen. Or on your screen while you're home. Pay attention to it for me, please. Thank you. Bye. J'accoute les matins, petit pied prends garde, où tu me conduis, là là, Jésus me regarde, partout où je suis, je veux prêter l'oreille à la voix du Sauveur, et dès que je m'éveille, lui donne tout mon cœur, petit pied prends garde, où tu me conduis. La, Jésus me regarde, en où je suis. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus, mon guide, j'accoute tous les matins. Petit pied prend garde, où tu me conduis. La, Jésus me regarde. Jesus mean when he said, you must be born again? Crickets chirped in the grass. Nighttime birds sang. Quietly, Nicodemus walked toward the place where he had heard he could find Jesus. He didn't want anyone else to see him talking to Jesus. When he found Jesus, Nicodemus said, Teacher, we know you came from God. Your miracles tell everybody so. Jesus may have smiled in the darkness. He knew Nicodemus really wanted to believe in him. But Nicodemus was an important Pharisee, a member of the Jewish council. He came to Jesus late at night because he didn't want the other Pharisees to know. Nicodemus knew that Jesus was a teacher sent from God. But he wasn't sure that Jesus could really be God's son. Jesus looked steadily at him. Nicodemus, he said, miracles are not the most important thing. Unless you are born again, you will not see God's kingdom. Born again?
What does that mean? I can't go back inside of my mother. I'm a grown man, Nicodemus exclaimed. You're right, my friend, Jesus answered. But I'm not talking about being born physically. I'm talking about being born spiritually. Truthfully, Nicodemus, unless you are reborn by God's Holy Spirit, you can't be part of God's kingdom. I don't understand, Nicodemus said thoughtfully. Think about the wind for a moment, Jesus replied. You can't see the wind itself, but you can see what happens when the wind blows. You can see the treetops sway and hear the rustling of the leaves. When the Holy Spirit comes into a person's life, it's like that. You can't see inside a person's heart, their mind, but you can see what happens in their life because their life is new and clean. Their life is changed. It was quiet as Nicodemus thought about what Jesus was saying. Nicodemus, your physical life came from your parents, Jesus continued. But a person's spiritual life comes from the Holy Spirit. When a person chooses to let God come into his or her life, God helps them change their sinful mind and gives the person a brand new one. That's being born again. Nicodemus, I have good news for you. God loves the world so much that he sent his only son here to save the world. When someone believes in him, God can give them that brand new life. And that new life means you are born again. And those born again will receive the gift of eternal life. Nicodemus learned something that night that everyone must learn. Jesus loves us so much. He is ready right now to take our sinful hearts and lives and give us new ones. Will you let him give you that new, clean heart today? Will you be born again? Will you take the gift of eternal life that he wants to give you? You might want to say something like this to Jesus. Dear Jesus, thank you for loving me. My life is sinful. Right now, I want to give it to you. I ask you to give me a new, clean heart and mind instead. Change my life to be more like yours. Thank you for your gift of eternal life. I love you, Jesus. Amen. De rappeler non, c'est que n'a songé chaque matin, nous capable prier avec cri de Rama depuis 5h du matin jusqu'à 6h et numéro de téléphone non, c'est 857 777 74 01. Donc ça au capable qu'un bel facile parce que si c'était un boule bolette, ça prend longtemps. Donc ça fait que qu'un bel numéro bien pour cri de Rama 857 777 74-01. Et maintenant, préparez-vous à recevoir deux sermons de la part du Seigneur. Un sermon en anglais et un autre en français ou en créole. Premier sermon, c'est Frère Sanders David Gilles qui pourra le porter pour nous. Et deuxième, non, c'est ancien Patrick Calestin. On a dit bon Dieu merci pour le ministère de ancien Patrick Calestin, parce que c'est moi qui t'a doué camper là pour prêcher, mais à cause hier soir, moi j'étais dans l'enterrement, et de l'enterrement veille de nuit, matin encore, on t'a supposé aller dans l'enterrement, mais cependant, on a dit, on a vu l'église plutôt, et bien c'est que j'ai une cousine maman moi qui mourit à Stanford, et bien l'enterrement c'est matin que la fête, même t'es allé hier soir. Et hier soir, lorsque je me connais que c'est moi qui a prêché, et puis, bon Dieu, vous n'avez pas été au bon moment, dans le moment que vous avez un message pour le prêcher dans 2022 de nuit, hein, et bien, il dit, et bien, pour le travail, et bien, pour que vous soyez capable de prêcher le matin. Hein. Et nous croyons que
Le Seigneur, il a un message pour vous aujourd'hui. Comprenez que c'est seulement sa volonté qui a faite. Et c'est ça que le gagnant pour nous, c'est ça que la banon, ça que nous avons demandé pour nous prêter attention. Whether you're youth, to pay attention to your English sermon, ou bien sûr, c'est aux jeunes, ou qu'à prêter attention, au grand monde, ou qu'à prêter attention à un message que Dieu gagne pour vous. Mais avant, nous avons gagné un chant spécial. Un chant spécial par un monde spécial. Et après chant, nous avons attendu Frère Sendeuse. Et puis après, nous avons gagné un louange. Et après louange, nous allons attendre Frère Patrick Cadestin dans le message que nous gagne pour nous. Que bon Dieu bénisse nous. Gagnon flambeau, en dans tout cœur, qui sait qui bien éclairé, gagnon qui frette, l'esprit bon Dieu, poté en tifé, pour capable chauffer, flambeau qui frette. Levé flambeau, machine en fait noir, chercher sa tombe, désespéré. Levé flambeau là, pour tout le monde qu'a ouais, levé le bien haut, clair le monde. Bien haut, clairement. Ça décourage, abandonner tout. Yo va gagner personne pour bailler yo même. Yo se fouesse nous. Yo besoin aide nous. Levez flambeau là, Dieu marche. Levez flambeau, machine en fait noir, cherchez sa tombe, désespéré. Levez flambeau là, pour tout le monde qu'a ouais, levez le bien haut. Éclairez le monde, levez le bien haut, éclairez le monde. Gagne en pile famine, qui n'a la détresse, levez flambeau là, n'en façon pas. Gagne en pile problème, c'est dans Jésus-Christ. A flambeau lui-même, pour y'a résoudre. Levez flambeau là, machine en fait noir, cherchez sa tombe, désespéré. Levez flambeau là, pour tout le monde qu'a ouais, levez le bien haut. Éclairez le monde, levez le bien haut, éclairez le monde. Levez flambeau là, machine en fait noir, cherchez sa tombe, désespéré. Levez flambeau là, pour tout le monde qu'a levez le monde, levez le bien haut,
Good morning, church. The title of my message will be Praise with a Passion. Let's bow our heads and pray. Dear gracious old Heavenly Father, I stand in your presence, Lord, thanking you for everything you have done for us, Lord. Thank you for allowing me to be here to spread your word and to tell your words, to spread your message, Lord. I ask you to please forgive my sins and wash away all of my sins and bless us. I need Jesus, for God be glory forever. Amen. Now, what is passion? Well, the dictionary version is passion is a strong liking or desire. Passion is a strong desire that can get you to do amazing things. Passion is an emotion that is an emotion to be acted upon. Passion is a fuel in the fire of action. Now, what does the Bible tell us about passion? In Colossians 3, verse 23, it says, "Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men." In 1 Corinthians 10, verse 31, it says, "Whether you drink or eat, or you do everything for the glory of God." Now, we as Seventh-day Adventist Christians, are we really doing everything for the glory of God? If we love the Creator, how are we showing that love? Are we singing praises? Are we praising Him with a passion? Well, let's look at the first Christians who served the Lord with passion. In Acts 4, verse 32, I'm going to read in King James Version. "Now the multitude of those who believed, they were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but had all things in common." In Acts 4, verse 34 and 35, now I'm going to read in the Common English Bible translation. There was no needy person among them. Those who own properties or houses, who sell them, will bring proceeds from the sales and place them in the care and under the authority of the apostles. Then it was distributed to anyone who needed it. They pray and praise with a passion. Now let me talk about two servants, Paul and Silas. They were thrown in jail because they were preaching the gospel. We could pick up the story in Acts 16, verse 23 and 25. It says, "And when they had laid many stripes upon them, they had cast them into prison, charging the jailers to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them." Now, tell me, would you praise God for being beaten for doing His will? Do you praise Him when persecuted? When they belittled you? Paul and Silas praised the Lord after being beaten. Blood was flowing down on them as a result, and yet they found a reason to pray and sing praises to God. They didn't praise for being received from the Lord. They didn't ask for a house, for a car,
they ask to be healed from a sickness or to be delivered in some kind of danger. They praise God because he deserved to be praised. And they did it with a passion. How do we know? Because in verse 23 it said, "And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them." They sang with all their hearts joyfully. At every moment, something happened. Let's continue reading Acts. In Acts 16, verse 26 and 30, it says, "And suddenly there was a great earthquake. The foundation of the prison were shaken. And immediately the doors were open and every band were loose. And the keeper of the prison, awaking from his sleep and seeing the prisoners doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had fled. But Paul cried out with a loud voice, saying, 'Do thyself no harm, for we are all here.' Then he called for a light and sprang in, and he came trembling and fell down before Paul and Silas, and brought them out, saying, 'Sirs, what must I do to be saved?'" If we praise the Lord more often with passion, this church will be filled right now, because miracles would happen to the glory of God. That's why Paul says in 1 Thessalonians 5, verse 16 and 18, "Rejoice evermore, praise without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." In 1 Peter 3, verse 14 and 15, it says, But if you serve for righteous sake, happy are you, and be not afraid of the terrors, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you the reason for the hope that is within you, the meekness and fear." The psalmist David said in Psalms 34, verse 1, "I will bless the Lord at all times. Praise God. His praise shall continually be in my mouth." Let's seek the habit of praising the Lord on earth, because that will be our main occupation when we are in heaven. Like the holy angels, we're going to be praising his name for eternity. And remember, when we praise the Lord, miracles happen. Let's do it more often. This is the word of God. Salut l'église, n'a pas de capable mettre debout pendant que nous allons passer un moment louange. Oh,
Chers amis visiteurs, sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est pour moi un honneur d'être en la présence de Dieu en vue de l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons tout d'abord remercier Dieu parce que c'est lui-même qui fait prévision, qui fait provision et qui fait exécution. Nous disons aussi merci à Elder Salnav qui déjà saute dit toute bagaille, m'a pas besoin d'entrer dans les détails. Merci à quoi pastoral l'église là qui a accepté moi tout. Et nous voulons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, adresser nos salutations fraternelles à tous nos amis, nos frères et sœurs qui nous reçoivent à travers les réseaux sociaux. Laissez-moi dire que nous sommes des intelligents. Laissez-moi dire que nous faisons bon choix. Parce que faire choix pour tant des paroles, bon Dieu, faire choix pour adorer le Seigneur, son bagage extraordinaire. Et quel que soit le monde qui fait choix, ça, pas jamais déçu. Nous pensons que c'est à manquer à devoir, nous, si nous ne pas remercier Sœur Véronique pour ce beau chant. Et nous dit que bon Dieu bénit, continue de bénir talent que lui mettez la caillou. Félicitations à Frère Sanders. Et j'aime t'abdire avec Papa Elder Salnav. Second thème vocal extraordinaire. Nous souhaitons bon Dieu continuer bénir et mettez utiliser pour cause lui. Et prestimnan, félicitez-nous. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons que bon Dieu aide nous pour que nous capables connaître que ça son ministère dans l'église que lié. Prestimnan son ministère dans l'église parce que gen des moun là yo gen tan jwenn message pa wa nan louange la. Nou gran de samedi a, gen moun ki gen tan béni nan louange la. Message a vin kòm on dégui. Nou souhaite bon Dieu béni. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, li important pou nou di nou que bon Dieu chaque sabbat décide béni peuple. Sou en forme ou sou en l'autre, quel que soit côté que vous retrouvez ou, depuis que vous mettez à adorer bon Dieu décide de bénir en retour. Et il est intéressant pour me dire nous en ce midi que moi-même avant, ce n'est pas nous qui avons cherché bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui a cherché nous. Et c'est ça fait, moi-même, le psalmiste l'a déclaré, il dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tout ce qu'il évoque avec sincérité. Le sujet que je voudrais partager avec vous a pour titre « Oint pour une mission ». Oint pour une mission spéciale. Et le texte que nous allons considérer se trouve dans Ésaïe 61, verset 1er. Texte que nous sommes liés à l'idée. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Baissez tête, nous fermez les yeux pour un coup de prière. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous connaissons pas qu'on parle. Nous connaissons pas les compétences qu'il faut pour une pareille intervention. Mais ça que nous remet la caou pour un monde qui pas qualifié ou qualifié. Nous demandons autant pour nous la sagesse du langage et permettre que à travers l'intervention que on va faire par l'entremise Saint-Esprit, chaque petit tout capable jeune de quoi pour nous nourrir et pour nous poursuivre cours là ici-bas, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, chers amis, visiteurs, nous sommes le sabbat 20 février. Nous sommes déjà à 51 jours de l'année 2021. Un début d'année
qui nous paraît inquiétant, incertain. Le monde est de plus en plus bouleversé. Crise sous crise. Crise au Moyen-Orient. Crise en Europe. Crise en Afrique. Crise dans la Caraïbe, particulièrement en Haïti. Et là, plus près de nous, au Texas, pendant ce maintenant, plus de 20 de monde mourit parce que tout simplement, il y a un changement de température et qui cause coupure d'électricité. Moun pa jwenn de l'eau pour yo boire. C'est pour montrer, nos frères et sœurs bien-aimés, que le monde là est vraiment bouleversant. Beaucoup de cris, beaucoup de douleurs. Et depuis que le péché a fait son apparition dans le monde, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi rend le monde captif. Mais heureusement pour nous qui sommes des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, nous sommes des personnes avisées. Pas gain rien qu'à passer que petit bon Dieu pas averti. Parce que nous connaissons que bon Dieu, li gon côté, li sorti avec nous. Bon Dieu, gon côté, li rivé avec nous. Et nous connaissons que bon Dieu, qui côté, li pralé avec nous. Et en tant que petit bon Dieu, nous c'est le peuple de l'espérance. Nous gagnons une mission qui confiait à nous. Tandis que Esaïe, dans Esaïe 61, lui présentait un aspect prophétique de mission ça, ou du moins l'œuvre du serviteur de l'Éternel, à savoir Jésus. Jésus lui-même, invité à prendre la parole dans la synagogue de Nazareth vers le début de son ministère public, choisit ce texte pour fonder sa prédication. Nous le trouvons dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, la Bible lui dit nous que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est sorti dans le Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste, il est conduit par l'Esprit dans le désert, mais la Bible a dit nous que il a passé un examen. Et examen ça, il doit passer après les 40 jours de jeûne et de prière. La Bible dit nous également, il était tenté par le diable. Et dans un moment ça, il était recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Donc Jésus, il était préparé pour sa mission. Nous autres aussi, frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, ou même captains de nous, nous avons une mission. Une mission qui exigeait pour nous mettre en préparation. Nous pas capables de regarder. Événements qui passent autour de nous doivent interpeller. Ils doivent interpeller. Ils doivent interpeller. Ces moments côté l'Église doivent mettre en prière. D'ailleurs, nous, frère Gilles, dit ça. Et la Bible dit, après ces 40 jours, Jésus t'est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Membres d'Église, chers dirigeants, frères et sœurs bien-aimés, nous autres aussi, nous avons été investis de cette puissance pour accomplir notre mission. Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Qui mission l'Église a? Annoncer la bonne nouvelle. Si à travers télévision, si dans la radio, nous tendez messages qui baissent toutes ces mauvaises nouvelles, à travers les réseaux sociaux, ces mauvaises nouvelles, moi je veux dire nous, moi je veux assurer nous en ce midi que la Bible, il y a une bonne nouvelle, frères et sœurs.
C'est pas moi qui dis. Ésaïe 61 dit. Et Jésus dit dans Luc chapitre 4 verset 18, il dit pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pas seulement mauvaise nouvelle COVID-19. C'est pas seulement mauvaise nouvelle kidnapping. C'est pas seulement mauvaise nouvelle maladie. C'est pas seulement mauvaise nouvelle accident. Chrétien yo gagne yon espérance. Espérance nous pas ici bas. C'est passé n'a passé. La bonne nouvelle c'est que Jésus li gen contrôle toute situation. Frères et sœurs bien-aimés, nous pas doit jamais oublier que plan ennemi c'est pour le capable rendre moi-même, c'est pour le capable rendre ou même malheureux pour faire nous perdre espoir. Le plan de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous sommes livrés à nous-mêmes, que bon Dieu abandonne. Mais laissez-moi dire en ce midi, Dieu est encore là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est important pour me dire que, pauvre là, ce n'est pas seulement le monde qui a couru dans le capin de charité. Ou capable. Ou capable de gagner l'argent, ou pauvre. Ou capable de gagner belle caille, ou pauvre. Ou capable de posséder toute richesse, toute autorité, tout pouvoir qui gagne, et pourtant ou pauvre. Mes frères et sœurs bien-aimés, important pour nous connaître que, dans le moment que nous parlons, l'Église doit sous école. L'Église doit sous école parce que force malio est venue en pile. Force ténèbio est la guerre. Nous devons songer que dans le moment que nous vivons là, c'est tout petit vispède. Dans ton longtemps, où tu as un avertissement qui baille, mais mauvais esprit a tellement plané, de pour ne pas ranger quoi bien, au moment où un tel est là, après ça, qui ça? Un tel mourit sans malade. Frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Au niveau de la conférence générale, on parle de I will go. J'irai. Mais parfois, tandis que n'attendez que nous devons aller, l'Église, l'Ichita, l'attend. Tandis que thème que nous avons développé pendant quelques dit qui ça, I will go, l'Église était sous bloc glace. Qui mission l'Église? Mission l'Église, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et il est important pour nous dire que puisque mission l'Église c'est annoncer la bonne nouvelle, nous pas gain pour nous peur en rien parce que quand Dieu ordonne, il donne. Depuis mon Dieu voyait, faut qu'on aller et depuis pour aller, libère toute munition qui est nécessaire pour capable remporter la victoire. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs. Tandis que nous sautons le texte gon bagay qui est intéressant. Nous pas uniquement gen pour mission prêcher la bonne nouvelle. Parce que texte ça li dit nous gagnons une autre mission. Moun qui malade yo, nous gen pour mission pour capable faire qui ça? Pour capable guérir yo. Ça veut aider ma comprendre nos bagay. Médecin humain capable soigner. Gen des maladies yon moun genye, c'est pas médecin humain capable soigner. M'a répété l'encore. Médecin humain qu'on soigne, médecin humain qu'on prescrit, mais gen des maladies yon moun genye, c'est pas médecin humain capable guérir. Parce que texte a dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En sorte que gen des moun qui gen maladie mentale, gen des moun qui gen maladie et qui fou. Gen moun qui gen maladie que médecin humain pas ka jwenn traitement pour yo. Gen famille qui gen tête chargée. Gen famille qui divisé. Li important pour nous connaître que moun sa yo yo besoin assistance nous, yo besoin intervention. D'ailleurs le chant nous dit va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Gen en pile moun frères et sœurs bien-aimés qui captif dans mes ennemis. L'Église n'y pas qu'à résumer à chaque samedi, nous venons là, nous chita, bon sabbat mon frère, bon sabbat ma soeur, amen, et puis allez, nawe sabbat prochain. Non,
C'est pas ça mission l'église. L'église a pour mission de proclamer la bonne nouvelle. L'église a pour mission aussi de guérir les malades. En sorte que si nous pas une dimension spirituelle ça, faut questionner la vie, ça va passer comme ça. Parce que psaume 103, tendez bien ça le dit. Il dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. En sorte que monde qui est capable de guérir maladie, c'est médecin humain. C'est qui est-ce qui a guéri maladie? L'Éternel des armées. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ami dit ça. Oh, frères et sœurs bien-aimés, n'a pas parlé à un cœur qui brisé. N'a pas parlé avec un cœur qui désespéré. N'a pas parlé à un monde qui abandonné. Moi, je voulais dire que dans la situation que vous retrouvez là, Jésus est capable de guérir. Il a la capacité pour être capable de faire ça. Il était qu'on fait dans le passé, il le fait encore et l'a fait toujours. Parce que les gens qui croient dans mon Dieu, pas jamais perdu bataille. Frères et sœurs bien-aimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous connaissons le cœur, il est moteur. Des nouvelles ou prend, il est capable de basculer le cœur. Il est capable de faire effet sur le cœur. Mais bon Dieu est capable de guérir. En 1999, moi songeais que m'tal fait philo pour au prince et puis maman m'était ensemble avec moi parce que nous connaissons de coutume l'heure passe dans retour dans ville provinciale nous toujours dirigeons vers capitale et puis tandis que maman m'était accompagné moi maman vient malade moi t'ai grand petit frère mon petit sœur papa m'est tout à l'étranger c'est moi avec maman qui était dans cala avec un petit cousin moi maman malade très grave. Maman malade à l'article de mort. Et moi songe qu'on jodia dans soirée côté maman bral mourir, il était couché sous cabane et puis il mandé me dit me soif, m'ta va le font ti jus pour lui. Et puis pendant moi baille d'eau comme ça m'a fait jus à cabane là et puis m'était parce que m'pas de rester loin ni. Et puis pendant m'fin faire jus, le moi fait ça m'virer m'bral dit maman mais jus l'aime paraît maman mouri. Frères et sœurs bien-aimés, maman c'est un ami, c'est un confidente. Si m capable avec nous journée jodia, c'est investissement que le te fait dans moi qui fait m capable là parce que m te ka dans tout ça pas ça. Il accepte faire sacrifice qui te go naïve, il plonger pour au prince d'aller pour petit garçon parce que le ta amène vie dans monde. Ou imaginez dans plein année philo, maman mouri, cœur brisé. Moi désespéré et me pensais la vie était finie pour moi. Me dit ah, j'en baga la ya, m'bagé personne, toute famille à l'étranger, moi même seul en Haïti, baga la fini pour moi. Et voilà que frères et sœurs bien-aimés, dans même 99 là, mars 99, moi t'a pas rencontrer madame moi et puis l'ai rencontré de temps en temps pour aller lui inviter me l'église auditorium de la Bible. Et puis moi elle participer dans rencontre là aller dans culte d'adoration malon premier sabbat malon deuxième sabbat malon troisième sabbat et au nom de Jésus me baptisé l'évangile gain bonne nouvelle frères et sœurs bien-aimés si la vie m'a pas de sens en 99 jodia Jésus baille la vie mon sens en sorte que ou même cap tande nous sur réseaux sociaux ou cap peut-être tes gon frère ou maman ou papa yon ami qui ont te compté sous lui. Il a peut-être abandonné. Jésus pas jamais abandonné monde. Et ce qui est intéressant, vie ou mettre pas de sens, mais l'observe Jésus, Jésus baille vie ou yon l'autre sens. Et c'est ça fait en ce midi, l'important pour me dire nous, Jésus fait une promesse à nous chaque. Il dit dans Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons une mission qui est noble. Il y a un pile monde qui est captif dans mes ennemis. Et le texte nous dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Oui, bon Dieu est capable de libérer les captifs. Et bon partager avec nous une expérience. Yon serviteur bon Dieu fait. Yon moun ke mwen men en pile. Et mbal bay non l'napwet. Naturellement pour moun ki te en Haïti nous connaissons. Pasteur Victor Sylveus. Frères et sœurs bien-aimés,
Pasteur Victor Sylveus t'a pral débuté ministère li dans le sud. Nous connaît époque yo t'a fait scission Elder Sal Elder Olnika connaît ba ça ou bien peut-être Elder Charles t'aime pas connaît pour l'autre monde qui non longtemps dans l'œuvre là. Yo t'a fait scission mission du sud. Premier pasteur yo t'a pral voyer l'autre bois, li relé pasteur Emmanuel Jean-Daniel Gordon. Et yo t'ai invité, c'était lui-même qui t'ai accompagné pasteur Victor Sylveus. Et Pasteur Victor Sylveus t'a pas responsable dans l'église dans mi-temps ville au Caï. Les arrivé dans l'église là, premier constat que le pral fait, il pral remarquer gayon force mal qui enveloppait l'église là, gon force diabolique qui enveloppait l'église là. L'église a marré. Yon grande église, mais chaque sabbat matin, là au ville l'église, l'église a clairsemé. C'est yon de toi moun, grande église. Ça que t'a passé, frères et sœurs bien-aimés, te gen yon famille dans l'église là, particulièrement gen deux jeunes, yon jeune garçon, yon jeune fille, jeune garçon relé Nagel. Semblait que parents monsieur dame sa yo, yo te gen contrat avec diable. Et puisque yo te gen contrat avec diable, ou pral jwenn que deux jeunes sa yo, c'est yo qui pral payer conséquence parents parce que parents yo pas honoré contrat ou te gen avec diable là. Nagel frères et sœurs bien-aimés avec celui chaque fois yo vin l'église là. Pasteur a fait constat que si Nagel chita nan ban côté frère Blaisier ou jeune que on exemple pas prend ban qui devant nan dit sœur Louise côté sœur Louisia. Ou jwenn ban derrière côté lia pa gen moun ban devant côté lia pa gen moun tout chaque sabbat pasteur a fait constat il dit ça qu'a passé comme ça et c'est comme ça frères et sœurs bien-aimés il pral remarquer aussi les moun yo vinn adorer dans sabbat matin moun yo refuser chita nan place yo parce que yo pas approché beaucoup de moun sa yo chita chaque moun tan aussi que yo dit classe 1 classe 2 classe 3 pas gagne avec classe 1 classe 2 classe 3 tout moun groupé quoi un petit côté yo quitté deux messieurs dames yo pour compte yo là a prié dans ligne côté ouais sœur Florence là par exemple avec ligne côté ouais maestro tout moun prié yo dit met à genoux tout moun a prié j'ai l'ouvri yo pas comprendre ça qui a passé gagne un sabbat matin. Pendant, yon mette à genoux pour prier, et puis qui sak pral passe, Nagel chita nan ban, Nagel juste pour un mouvement, pap, le regarde tout le monde, pop le fait courir, yon quitte l'église là. Yon demande sa kap passe comme ça. Et sak passe, frères et sœurs bien-aimés, Nagel gagne yon mauvais esprit sous lit. Pendant mauvais esprit a sous lit, l'autre de le prendre, depuis c'est ça li joine en bas men li rabotel et ça fait que l'église là tout moun paix l'église là marre et l'église là vinn pas ka progresser. Pasteur Victor gade l'oué chaque sabbat et Nagel yon nan ba ki intéressant Nagel ak seul là c'est adventiste du 7e jour parent ou pas adventiste yo toujours nan culte d'adoration yo toujours nan jeûne yo toujours nan toute activité qu'a fait dans l'église mais yo captif dans main ennemi et ça pour arriver frères et sœurs bien-aimés le pasteur Victor ouais ça pasteur Victor prend initiative pour mettre un jeune dans l'église là non jeune gain puissance frères et sœurs bien-aimés et pendant on met jeune dans l'église là yon première semaine jeune dans l'église là deuxième semaine jeune dans l'église là chaque monsieur dame yo toujours même pimp depuis yo chita en côté tout monde bien loin. Le pasteur Victor, ouais, bagay là, même événement, m'sou di a pral rive encore. Moun pral pété kouri nan moment jeune. Pasteur Victor, al kote papa bon Dieu. Son homme de prière, frères et sœurs. Ni importe combien moun ki vle considère comme homme et femme de prière dans salle là. M'dale ouais, mais nous. Faut nous lever, mais nous. Nous devons des hommes et des femmes de prière. Et pasteur Victor pral devant papa bon Dieu, il pral dit Seigneur. C'est où qui voyait dans mission sud?
C'est pas job pas moins vinn faire, c'est job pas moins vinn faire. Et ou di nou de pou voye nan fon job ou pas quitter nous pour compte nous. Ka se chaîne yo pour l'église là. Et frères et sœurs bien-aimés, il y a un jeune qui programmé Nagel Chita. Pendant Nagel Chita, pasteur Victor va lever pour le prier, pour prêcher. Pendant le lever, il commençait à parler. Nagel côté Lia, il levait campé. Et pendant le fait ça lever campé, tout le monde a regardé qui ça quoi le fait. Objectif Nagel, objectif mauvais esprit, c'est al plonger pour un pasteur sous chair. Tout le monde campé a regardé ça qu'a fait. Membre d'église était, il a suivi. Et Nagel a avancé. À une certaine distance, pasteur Victor Silveus, rempli par le Saint-Esprit de Dieu, lui dit, au nom de Jésus, sortis dans le jeune garçon, retourne côté, assis dans la place. Frères et sœurs bien-aimés, Nagel guéri, oui. Nagel guéri, l'église a libéré, et depuis ça, l'église a grandi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, dans le moment où je dis ça, l'important pour nous dire, nous, il y a un pile Nagel qui dans l'église qui captif dans mes ennemis. Il y a qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 20 ans dans l'église. Satan enchaîné par contre ça. Et c'est ça qui fait certaines fois, ou pas remarquer qu'il y a des bagages à faire, c'est pas où t'as voulu faire. Mais malheureusement, ennemi qui est captif. L'important pour nous dire que au nom de Jésus de Nazareth, l'église a besoin de progresser. Ou besoin de progresser, ou pas remarquer. Ou vin nan États-Unis, yon gros pays, ou travail, ou paye taxes normalement, ou gade, ou fait tout ce que de fait, ou yon avance, se recule, ou après qu'il ça, ça vle dit, ou pas, je me pose ta tout question, ou te kon prier, ou leve kon yon pas ka prier matin. Lors une décision pour prier, bon contrariété, soit téléphone sonne, etc. Ou pas pose ta tout question, ça ka passe. Frères et sœurs bien-aimés, li important pour me dire que Satan kembe moi-même avoir captif. Et depuis le péché entré dans le monde, li ou gen comme impression, il prend toute bagarre, li mette l'en bas. Mais nous avons bonne nouvelle pour nous dans le moment où il dit ça. Quelle que soit dimension de captivité Satan capon, Jésus est capable de libérer. Et c'est ça qui fait en ce midi. Li important pour nous dire que monde ça gon bagarre qui prend le produit là-dedans. M'a répété encore. Monde ça gon bagay qui pral produit la donne. Mais moi même avant nous pas de peur. Et c'est parce que gen bagay qui pral produit, Satan pas veut perdre pour contenu qui fait moi même avant, li décidé qu'un ben captif. On fond logique. Est-ce que dans l'église yo apprend moun rose zon? Est-ce que dans l'église yo apprend moun mettre faux cheveux? Est-ce que dans l'église yo apprend moun boit afia? Est-ce que dans l'église yo apprend moun hypocrite? Mais qui ça nous est qui a passé autour de nous? Tout ça qui a passé sur les réseaux sociaux, nous est qui ça a passé? Journée aujourd'hui, chrétien Feli, ce n'est pas fort ou non? C'est ennemi même qui fait le con ça pour le capable de Kimbo, parce qu'elle connaît que depuis le Kimbo là, dans TV, comme ça, ça a passé, la fini par prendre net. Journée aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des gens qui disent, ah, moi même, Satan pas prendre. Satan pas prendre mon gros bagarre encore. Il y a environ 6000 ans d'expérience. Ça veut dire, si baga ou pense que pisse, pense la dan ni pon. Est-ce qu'on pas remarqué ou pas ka quitté fi moun en repos? Est-ce qu'on pas remarqué ou ces jeunes garçons ou pas? Jeune nan li fiancé. Li di ou li remè. Mais c'est loué pour abuser. Ou ces pères de famille ou ces mères de famille qui sa ouè pour faire. Madame ou là, Marie ou là, pas l'affection, non l'autre là ou pralé. Gende bagay yon yon péché héréditaire. Gende bagay se nan paran nous prendre. En sorte que nan moment midi a gon bagay nous besoin pour bon Dieu capable faire trait d'union ça pour nous. Pour dire Seigneur, tant pis, libérez-moi parce que m'bav le perdu. Frère, c'est ça bien aimé, ennemi en fort, mais Jésus plus fort. Et c'est ça qui fait nan moment midi ça. L'important pour nous connaître que l'église besoin pour une nouvelle dimension. Tandis que chaque sabbat, motivation missionnaire a fait. Chaque sabbat, combien d'entre nous qui jamais levé pour aller prêcher? Peu de monde. Pour qui raison? Parce que l'ennemi en plan, c'est pour capable faire nous perdre.
L'important pour me dire, nos frères et sœurs bien-aimés, la captivité vient de l'ennemi, mais Jésus a un plan de délivrance pour nous. La captivité vient de l'ennemi, mais Jésus veut délivrer. Pour le délivrer, nous besoin notre participation. Nous besoin de mettre l'ordre dans la vie, nous. Dirigeants, mettez l'ordre dans la vie. Jeunes filles, mettez l'ordre dans la vie. Jeunes garçons, mettez l'ordre dans la vie. Monsieur marié, mettez l'ordre dans la vie. Madame mariée, mettez l'ordre dans la vie. Parce que l'important pour me dire, nous, tandis que nous prenons le fini, si nous ne pas mettez l'ordre dans la vie, café n'a pas coulé à ma. Satan apprend nous à petit pas pour le capable d'aviline bi devant. Il n'y a pas de rien, il faut sentir à l'aise dans son affaire, ou pas avancer, ou pas avancer, et puis le gars de roi à vili. Plan bon Dieu, ce n'est pas pour la vili ou. Plan bon Dieu, c'est pour le fort belle. Mais pas oublier, nous avons besoin pour nous capables de joindre, pour nous lutter, l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans la préparation pour la crise finale, nous jouons déclaration ça. Bon Dieu prépare pour nous saluer la pluie de l'arrière-saison. Elle promet pour le déverser plus que pluie première saison. Si on demande spécial dans le moment midi ça, pour que moi-même ou même nous t'a capable faire, c'est pour demander mon Dieu pour le nous par son Saint-Esprit. L'église pas de problème l'argent. Foyer là pas de problème l'argent. Jeune garçon ou pas de problème résidence. Jeune fille ou pas de problème résidence. Dirigeants, nous pas de problème l'argent, problème quoi que ce soit, nous avons problème onction. Et plus nous cherchons, bon Dieu, nous demandons onction, au nom de Jésus, nous avons porté la victoire. Plus nous cherchons onction, c'est plus nous avons gardé la preuve. On dit crasse parole qu'a dit. Des âmes ont venu à la conversion. Frères et sœurs bien-aimés, on met l'ordre dans la vie nous. Frère Cadestin, mettez l'ordre dans la vie. Nous, chaque qui là, on mettez l'ordre dans la vie. Combien de monde qui a goumé à un bagaille, qui a senti vraiment que la pluie, mais malgré la pluie, Satan fait tomber. Si il y a nous qui sentons comme ça, soit en forme ou soit en l'autre, nous ne pouvons pas le mettre debout. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de faire une grâce. Nous ne pouvons pas le mettre à genoux, à commencer par moi-même. Parce que je me toujours dit, Jésus, c'est jeune garçon. Et surtout, les gens à l'étranger, nous, dans le pays, ça, on a un grand bagage. Des fois, on fait corps, on sent un enflé d'orgueil, on sent un roi pas cousin, on s'en dolit pas, on a une femme pas ci, une femme pas là. Toute qualité bagage. Mais on a besoin de grand bagage. Dis, bon Dieu, tant pis, kembem. Parce que si on pas kembem, m'a tombé. On mette nous debout. Nous pouvons demander, bon Dieu, pour l'aider nous. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. On chante, on prie. Plus le mal est pressant. Plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond. Éveillant sous mes pas, plus le péril extrême. À genoux, n'a pas fait. Parmi tous les. N'a pas mort, n'a pas invité Elder Salna pour faire une prière pour nous. Ma confiance.
mettez à genoux, priez dans cœur, nous même qui dans salle là, mettez à genoux, papa les fort, priez dans cœur. Et m'a évité dans moment me dit ça, quel que soit ça ou goumé avec comme défaut, remettez à Jésus. Ou même qui sous ligne yo, qui sous réseaux sociaux yo, la caillou, priez dans cœur parce que nous sûr et certain dans moment me dit ça, Jésus gon chaîne li vle casser. Et si ou quoi, li capable casser pour vous. Car il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Priez dans le cœur nous. Et tandis que notre bien-aimé serviteur, Elder Salnav David Gilles, va prononcer prière ça. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Sois l'Éternel, notre Créateur, notre Dieu, Yahvé Tsabaoth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui comprend tout, le Dieu qui sauve. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Oh, ce matin, tu as visité ton peuple et tu as parlé au cœur de chacun de nous et nous comprenons la nécessité de venir tout déposer à la croix du calvaire. D'ailleurs, il n'y a rien que nous puissions te cacher, car à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Tu nous vois tels que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos problèmes et nos difficultés. Pourtant, tu nous invites à venir à toi, à les déposer au pied de la croix, puisque Jésus, il a déjà fait provision pour chacun de nous, car avec toi, tout triomphe. Avec toi, tout est assuré d'avance. Avec toi, notre délivrance est assurée aujourd'hui même. Et nous ne voulons pas laisser ces lieux avec les mêmes fardeaux. Nous ne voulons pas laisser ces lieux avec les mêmes péchés. Nous voulons nous en débarrasser, te les remettre. Car toi, ou gain puissance pour que papa enlever fardeau pour nous et voyez-nous libres aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Nous comprenons que diable là, lui sent-il perdu bataille là, mais la faire un dernier assaut pour qu'un bébé petit touillon dans l'esclavage. Mais cependant, Jésus nous a donné la liberté. Son sang a coulé pour nous sur la croix du calvaire. De manière qu'aujourd'hui, par ce sang, nous ayons la vie éternelle. Ta parole nous dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Jésus bat notre toute puissance déjà. C'est Jésus même qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et désormais rien ne pourra vous nuire. Mais malheureusement, diable a fait nous comprendre que c'est l'ignée puissance, alors que Jésus bat nos puissances. Diable a fait nous comprendre que c'est l'ignée puissance. Jésus nous vient jouer nous pour que vous capable armer nous encore en midi ça. Nous vient jouer nous pour délivrer nous en midi ça en va puissance diable là, qui empêchait nous progresser, qui empêchait nous avancer, qui empêchait que nous avancions dans la route qu'on traçait pour nous. Nous vous demandons, oh Seigneur, t'en prie, dans grande miséricorde, dis-moi victorieux pour nous. Chassez diable sous route, non. Chassez Satan sous route, non. Et bien, nous grâce pour que nous soyons capables de servir. Nous-mêmes qui étions esclaves, nous péché, que nous ne sommes pas capables
délivrer, libérer, matin même, puisque nous sommes li, que l'Esprit du Seigneur l'idée nous pour porter une bonne nouvelle au peuple, pour annoncer aux captifs la délivrance. Aujourd'hui, annonce à chacun de tes enfants ici la délivrance. Banon délivrance, mon Seigneur. Puisque c'est ce que tu viens annoncer, banon délivrance là. Nous ne pas voulu servir Satan encore. Nous ne pas voulu marcher encore à Satan. Nous ne pas voulu désobéir encore. Nous voulons servir Jésus et Jésus seul. Et par ça que fait n'importe de haut. Prends contrôle pour nous. Entraînant l'esprit, non. Entraînant l'âme, non. Entraînant cœur, non. Entraînant non, dans tout corps, non. Prends contrôle, nettoyer, purifier, chasser, retirer tout ça qui n'est pas pour vous, en sorte que nous sommes capables entièrement à l'Éternel, notre Dieu, aujourd'hui. Lorsque nous sommes sortis, nous sommes capables de sortir comme un monde nouveau, comme nous sommes apprenés, que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, accomplis ton miracle envers chacun de nous. Aujourd'hui, délivre tes enfants. C'est pour ça même que Jésus t'est venu. C'est pour être capable de libérer nous en bas pouvoir diable là. Et les libérer nous déjà. Mais cependant, diable a marché toujours pour nous faire nous retourner en Bali. Mais au nom de Jésus, nous avons la victoire aujourd'hui. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Et pour l'éternité, nous chanterons à la gloire de notre Dieu. Puissance, c'est pour nous que lié. Pouvoir, c'est pour nous que lié. Victoire, là, c'est pour nous que lié à cause du sang de Jésus qui t'est versé sur la croix. Que diable là, lui sorti dans vie nous pour le temps et l'éternité. Et que l'Esprit Saint lui occupe tout espace de notre être. De manière, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit dans nous-mêmes. Et nous allons marcher sous puissance Satan. Nous allons marcher sous puissance Lucifer au nom de Jésus pour nous remporter la victoire pour le temps et l'éternité. Seigneur, fortifiez mon petit trio et tout le monde là qui a un mauvais esprit, qui a ennuyé lui, au nom de Jésus, libérez-le. N'importe qui là, que ce diable-là, diable racial, diable maman, diable papa, empêchez-le de vivre, nous mandons au matin, alors que petit ou a prié pour ne pas quitter celle-là, mais pour nous sortir, libérer, délivrer, glorifier, libérer, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, qui t'est versé pour nous sur la croix. Diabla, il a perdu la bataille déjà. Diabla, ils sont déportés. Diabla, c'est boulet le poil boulet. Mais nous-mêmes, destinez-nous, c'est pour nous vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Destinez-nous, c'est pour nous chita sous trône, là-haut dans le ciel, avec Jésus, pendant l'éternité, pour nous glorifier Dieu, pour nous régner avec lui au siècle des siècles. Seigneur, entrez dans la salle matin. Pas quitter yon nan piti tout yon, sorti avec fado que diable a te mette sous deux nous encore. Pas quitter nous yon sorti là, avec même puissance qui t'a ennuyé nous encore. Mais que nous capables sorti avec puissance Jésus à nous-mêmes. C'est lui-même qui te dit, je vous ai donné le pouvoir. Et puisque Jésus baille pouvoir, Jésus pas capable de mentir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Lucifer. Au nom de Jésus, il faut nous gagner puissance en matin. Au nom de Jésus, il faut nous sortir avec puissance en amène. Au nom de Jésus, les gens qui t'a fait pécher, il faut ne pas pécher encore. Au nom de Jésus, les gens qui t'a fait ça qui mal, nous va faire mal encore. Au nom de Jésus, nous avons remporté la victoire. Au nom de Jésus, nous avons marché dans la fidélité. Au nom de Jésus, nous avons marché dans la vérité. Au nom de Jésus, nous avons marché dans la sanctification. Nous remportons la victoire parce que Jésus est là et pour nous. Seigneur, manifestez puissance. Seigneur, descend puissance pour nous couvrir. Voyez l'Esprit Saint pour nous couvrir. Voyez grâce là pour nous couvrir. Voyez délivrance pour nous couvrir. Voyez liberté pour nous couvrir. Voyez libération pour nous couvrir. Retirez pour nous laver, nettoyer, purifier. Et qu'aujourd'hui, nous capables de chanter simplement à la gloire de ton Seigneur. Parce que puissance, c'est dans mon que le sorti. Mon qui est puissance, c'est vous-même. Jésus t'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir là, c'est pour vous que lié. Et puisque c'est pour vous, nous-mêmes tous, c'est pour vous que nous, Seigneur. C'est vous que nous avons servi. Trop longtemps, nous avons marché selon la volonté du diable là. Mais aujourd'hui, nous voulons marcher
selon la volonté de Jésus de Nazareth. Et par conséquent, Mont des Oliviers, c'est pour libérer. Mont des Oliviers, c'est pour libérer au nom de Jésus de Nazareth. Et non libérer par le sang de l'agneau. Non libérer par puissance sans sauver nous qui t'es mouru sur la croix. Non libérer par victoire que t'es remportée lorsqu'elle t'est sortie dans ton bois. Lorsqu'elle t'est dit que j'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Libérez petit tout yon par pouvoir gagner. Sauvez petit tout yon aujourd'hui. Libérez nous aujourd'hui. Sauvez nous aujourd'hui. Voyez sang sous nous pour laver nous, pour baigner nous, pour nous baigner dans son agneau. Voyez nous la caille nous avec puissance là. Sauvez petit tout Seigneur. Toute gloire là c'est pour vous. Toute louange là c'est pour vous. Toute puissance là c'est pour vous. Agis dans nous selon volonté. Agis dans nous, fais ça vous voulez avec petit tout yon, de pour libérer nous. Nous pas besoin de rien encore, sinon que pour nous vivre pour la gloire de ton Seigneur. Marchez avec petit tout yon, sauvez nous, bas nous la victoire, et que nous capables aller de victoire en victoire. De victoire en victoire. Que mon des oliviers capables aller de victoire en victoire. Qu'on capable de camper devant nous, pour capable de gouverner, pour capable de diriger, pour capable de battre nos lumières en chemin. Et tout ça que nous va faire. Nous va faire pour la gloire de ton Seigneur. Petit Dieu qui va chanter toujours. Depuis Kounia, pour nous chanter le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, pour nous vivre comme si nous étions déjà dans le ciel. Parce que sauve-nous, hein, la vie nous cherche nous très bientôt. Merci pour ce qu'on fait pour nous aujourd'hui. Hein. Merci pour la délivrance qu'on va nous aujourd'hui. Hein. Merci pour la grâce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Merci de ce qu'on retire dans l'esclavage là, aujourd'hui. Hein. Merci de ce qu'on bat dans la puissance aujourd'hui. Hein. Et nous allons arrêter la donne jusqu'à la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. À cause de son sang versé pour nous. Lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. N'a pas invité nous mettre nous debout. Et n'a pas recevoir bénédiction. Baissez tête, nous fermez les yeux. Nous. Et maintenant, que la paix et la grâce de Dieu, la douce communication du Saint-Esprit, reste et demeure dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Soyez bénissons le Seigneur. Chantons.